Shadow Legends et à terminer le tuto, bien sûr. Shadow Legends et à terminer le tuto.
Shadow Legends et à terminer le tuto, bien sûr. Shadow Legends et à terminer le tuto, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, qui est là? Ricalure. Alors, juste mettre la musique. J'aurais dû entraîner ma voix avant de commencer le live. J'ai une voix horrible. Salut Shinkado. Salut Lure, comment ça va? Ah bah.
J'ai encore de me lever hein, comme avant tous les lives, et donc du coup, j'ai une voix de merde. Bah ça va, j'ai vu que t'avais fait ton premier live tout à l'heure. Bien joué à toi. Et après tu m'as même hosté avec 3 viewers, c'était un peu trop tôt. Alors... Hop... Alors ce soir, si j'ai bien compris, on va faire l'Under Dragon avec le reste du serveur. Et voilà. Et on va continuer la tour qu'on avait commencé hier. Alors on va passer sur le jeu. J'ai fait mon premier live, je suis à 5 follow. Bah bien joué à toi. Un live de combien de temps et sur quoi? Alors je vais dire si tout est bon, tout m'a l'air bon. Ok. Donc ce soir, Under Dragon, si je dis pas de conneries, s'ils l'ont pas fait avant, on continue la tour. Voilà, c'est un petit programme. Comme je suis un petit peu fatigué, je sais pas si on va faire un live très long ce soir. Salut Steak Show, comment ça va? Salut Arcanios. Alors, je répète le programme pour ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, on fait l'Under Dragon, s'il a pas été encore fait. Et après, on va continuer la tour qu'on avait commencé hier. D'ailleurs, il y a plein de changements par rapport à ça, faut que je vous en parle. Voilà. Alors, hier soir, on avait commencé cette tour. Et en fait, pour être honnête, ça m'a un petit peu saoulé. J'aimais pas le design que j'avais commencé. Donc, pour rappel, c'était ça. Hein. Et du coup, je l'ai transformé en arène. C'est l'arène Mathildus. Voilà, donc on a fait ça en fin de live. Merci pour le raid, Lure. Je sais pas comment ça fonctionne tout ça encore. Avec 3 viewers, mais t'es toujours 3 viewers en fait sur ta chaîne. T'es encore en live? Ce serait drôle. Et du coup, on a commencé cette tour-là, qui va être le futur shop, avec un petit cœur pour attirer des clients, voilà. Rien de très prétentieux. Alors... Ah, il l'a fait. Ça, c'est pas cool parce que on était censé le faire tous ensemble. Bon bah tant pis. Le dragon, on était censé le faire tous ensemble et je vois que Cedos l'a fait tout seul. Ah, j'étais même pas prévenu. Donc ok, bon bah ça change un petit peu le programme, c'est pas grave. On va aller récupérer du bambou pour faire des échafaudages et continuer la tour, hein. Ce sera plus pratique. Je suis en pause, je lance mon live maintenant. Ah, tu vas faire un contre-live avec moi? T'as bien reçu mes plans de ton shop sur Discord ou pas? Ouais, je les ai reçus. Je t'ai même répondu si tu regardes bien. Bonjour à toi, jeune bambin. Je viens de la part du jeune fille que tu connais. Non, mais faut arrêter. Ah, c'est Security Trash. Mais qui es-tu? Je ne te connais pas, je crois. Alors, qui es-tu du coup si tu viens de quelqu'un que je connais? Non, juste... Vocal. Ah, tu fais un live discussion? Attends, on va aller regarder ça après tous ensemble. Ouais, je suis dispo pour vocal. Va sur le salon attente et je te m'ouvrai. Sur le nouveau serveur d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore rejoint le nouveau serveur Discord, et bah, il y a un lien dans l'ancien serveur Discord. On a refait le serveur Discord parce qu'il n'y avait pas de. Enfin, les choses étaient un peu mal faites et c'était pas assez au propre. Donc, je vous invite à rejoindre le nouveau. On va rentrer à la maison, voir s'il nous reste du fil et on va faire ces fameux échafaudages. Alors, je vois qu'on a encore été pranké cette nuit. Enfin, aujourd'hui plutôt. Je suis en attente. Ok, je vais te move. Et t'es move. Wouah, oh ton son. Salut. Alors, on cherchait du fil, hein, c'était ça. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre ça, moi? Peut-être qu'on a plus de fil au final, hein. C'est un petit peu chiant, mais... Ah, et d'ailleurs, aussi, autre chose, il y aura plus de musique copyrightée. Maintenant, ce sera que de la musique libre de droit, parce que hier, j'ai vérifié un peu sur Twitch comment ça se passait si on faisait la musique copyrightée. Et franchement, ça pue. Donc, je préfère pas prendre de risques et mettre que de la musique pas copyrightée.
Mais je crois qu'on a vraiment plus de fil, hein, malheureusement. Ah, on a plus de fil. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si quelqu'un en vend en spawn, mais je pense pas. Qui vend du fil? C'est construire sans échafaudage, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Les vitraux, c'est médiéval et original. Ouais. De la part de la bête. Ok, de bébé Mathilde. Ok, je vois. Et bah, bienvenue à toi. Je crois que t'étais nouveau, hein. T'étais jamais passé sur le live encore avant. Alors, du coup, Cetus nous a dit qu'il avait fait le dragon à 21h. Ouais, donc c'était hier en plus, donc j'étais déjà sur le serveur, je crois. Ok, on le refera apparemment. Si en vrai, si on peut le faire, ça serait cool. Qu'est-ce qu'il veut donner, Sados? Ah, du fil, merci beaucoup, Sados. Je suis un étranger venu d'une lointaine contrée du Nord, je suis en attente. 1-1-1, ça te rappelle quelque chose? Ouais, ça me rappelle quelque chose, mais on va pas le faire là. Il y a encore beaucoup trop tôt pour ça. Ok, bah nice. Est-ce qu'il m'a demandé de le payer? Non. Bon bah super. En fait, tout le monde me donne des choses gratuitement, j'ai pas besoin d'acheter moi. J'ai un petit peu un statut privilégié. Ok, on va faire les échafaudages. Et puis on va continuer la tour. Du coup, si Security Trash est encore ici, bah n'hésite pas à regarder un petit peu le live. Et si jamais ça te plaît, bah follow la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Ça aiderait beaucoup. Ah tiens, il y a Mathilde. C'est moi, bébé Mathilde. Oui, c'est toi, ouais, apparemment. T'es finalement passé, hein. Waouh, incroyable. Je croyais qu'on te reverrait plus ici. Ok, on a pas mal d'échafaudages, c'est pas mal. Alors, comment on va continuer cette tour? Voilà, ça fait un peu bizarre à cause du cadre derrière, parce que j'ai dû mettre des leviers, donc je voulais les cacher, mais ça donne pas, hein, j'étais incroyable. Je pense qu'on va continuer un petit peu les murs. Ouais, attendez, on va faire un truc symétrique, je pense, au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, on est à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Oui, mais je retourne sur Minecraft. Ouais, bah comme d'habitude, quoi. Alors, t'en penses quoi de ce que j'ai fait? C'est ce que tu m'as demandé, non? Pour être honnête, j'aime pas le design, hein. Moi, je veux pas de vitraux sur le shop, donc on va pas prendre ce design-là, Arcanios. Mais merci pour ta proposition. On va garder le même design, hein. Je pense qu'on va faire des cœurs sur tous les côtés de la tour. Et après, on va monter, on fera plus de cœur, on fera autre chose. On fera, je sais pas, peut-être des fenêtres, comme ça, une baie vitrée. On va voir. Ok. Alors, du coup, si je copie exactement ce mur, ça fait deux pierres taillées. Ici, on a de la stone. Hop. Et on en a plus déjà. Oh là là, ça va être chiant ça. Je sais plus si j'en ai fait cuire. Alors, 1, 2, enfin, juste pour vérifier la stone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. 11, ça me paraît bizarre. On est peut-être pas, on est plus à 12 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'avais compté combien déjà? C'était 11 ans, ouais.
Ok, bah on va mettre la pierre taillée là, et puis on aura un premier mur. Donc là, de l'autre côté, c'est 11 aussi, mais j'ai plus de stone. Le mec sur le serveur Discord, ouais, est super gentil. Ouais, bah il m'a aidé hier à faire le... à faire le serveur Discord. Il fait du très bon taf d'ailleurs. Gratuitement. Cœur, carreau, pique, trèfle pour les motifs. Ah, ça peut être pas con du coup, vu qu'on a commencé comme ça. Mais merde, pourquoi j'ai fait de la pierre taillée avec la stone, je voulais pas faire ça. C'est vrai qu'on avait des blocs aussi ici. Ouais, bon, on va aller à la base, hein. Je crois que j'ai fait cuire la pierre taillée hier. Il doit en rester. Comme un jeu de cartes. Ouais, je comprends l'idée. C'est pas con. Après, est-ce que ça fait assez médiéval? Je sais pas du coup. Même si le cœur de base était pas incroyable. Ah, mais du coup, on a même pas regardé ce qui s'était passé ici. Oh, ça va, c'est une petite prank. Je sais pas qui a fait ça, mais ça va, c'est pas trop chiant. Par contre, on m'a enlevé ma porte, et ça, c'est chiant. Comment vous prankez, hein? Laissez les blocs, s'il vous plaît. Ouais, puis j'ai plus de bois pour la refaire, bon bah tant pis. Zenith, il y a encore ta porte. Maintenant, je me suis promené, puis j'ai vu sur le côté de la porte. Ah bon? Ok, on va aller la voir. Personne m'a mis à côté. Il a creusé un truc. Alors la porte, ça sur le côté, il m'a dit. Ouais, la terre. À l'intérieur. Or sur la terre. Ah d'accord, oui d'accord, je vois. Mais what the fuck, mais pousse. Côté du cheval bizarre. Ok, je vois. Alors je comprends pas pourquoi mon panneau a été remis ici par contre. Ah c'est parce que ok, je me comprends. Ok. Le cœur c'est mieux que la couronne ou le X d'hier. Ouais, clairement. Parce qu'hier on a fait plein d'essais en live le soir, donc on était un petit peu fatigué, on faisait n'importe quoi à la fin. Oh, on remet tout comme avant, hein. Ok. On a la stone, on va aller à l'arène et finir cette tour. Et du coup, Lourdes, t'as fait ton live sur quoi? Minecraft. Okay. Je fais des lives sur Twitch. Minecraft, mais pas beaucoup de... Ok. Mis à devant, devant chez toi, ben devant la tour que tu fais, ben, j'ai mis de la pierre taillée. Ah nice, merci. T'en as besoin, puis moi j'en ai extrêmement beaucoup. Ben, Nice. D'ailleurs, j'ai fait quoi après mon live? C'est quoi NB? C'est quoi l'abréviation? Je connais pas. Comme c'était prévu. NB. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, le son du jeu est tellement fort par contre. Ok. C'était ça le design? Merde, je sais plus. Ah non, faut que je laisse deux là. Ok, ouais, c'est bon. Je me rappelle. On laisse deux ici. Merci le fantôme. On va aller dormir. Il nous voit pas. C'est bon. Nuit blanche. Ok, bah t'as du dommage à genoux du coup, comme moi.
continuons ça. Ouais, mais du coup, comme hier soir on a fait un long live et qui s'est fini à 6h, je le répète, hein, mais ce live sera beaucoup moins long que d'habitude. Je pense que je l'arrêterai vers minuit, un truc comme ça. Vu que je suis un petit peu fatigué, je vais beaucoup moins bien animer que d'habitude. J'ai pas dormi du tout. Oh, c'est pas possible ça, quand même. Ah, oh, mais putain, mais. Les mobs sont tellement chiants sur ce serveur, ils se cachent et tout. Cet enchaînement était incroyable. Oh, y'a personne, hein. On a rien vu. Hein. Oh! Y'a un bruit qui dépasse, on est d'accord, non? Oh, bah y'a plus rien. Bon, bah, c'est bizarre, ça doit être un bug. Alors. On va continuer ça. Oh, il est tellement méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils me regardent tous là? Mais arrêtez de me dire des choses, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais ils sont tarés. Je voulais faire mes échafaudages, j'en ai assez et là on me donne ça. Une shulker remplie d'échafaudages. What the fuck? Bah merci hein. Puis j'ai mon garde du corps en plus. Oh ça lag, ça lag. Bon bah super. Oh non, il recommence avec son double compte. Arcanios. Salut, bientôt les 50 follow, ouais. Bientôt les 50 follow et les 3 viewers, 3 viewers de moyenne, donc l'affiliation devrait tomber fin août si tout se passe bien. Si on continue sur cette lancée, ça va être vraiment pas mal. J'ai même pas affiché le titre du live. Hein. C'est quoi le titre du live? Dites-moi, je sais plus. Dark, t'es sûr, je sais pas si t'as rejoint le nouveau serveur Discord, mais il y en a un nouveau maintenant. Il aime regarder lui. Qu'est-ce qu'il veut? Ah putain, j'ai pris le. Oh merde. Abuser son armure. Il est tombé. Il est trop chiant. Je dois avoir un paparazzi ou un fan avec moi. 3 viewers par jour. Sauf qu'il y a un compte pour deux. Bah ouais, malheureusement, mais en fin de soirée, on est obligé, quoi. Sinon, je dois arrêter le live très tôt et c'est un peu chiant. Si tu vois de quoi je veux dire. Oui, bah oui, Arcanio, je vois ce que tu veux dire. Oui, j'ai vu ça. Ok, super, alors. Ah, mais je vais mourir à force de faire ça. Quel débile. On va revérifier la longueur au niveau de la stone, parce que... Putain, mais il est là, maintenant, lui. Arrête de me spy, toi. Qu'est-ce qu'il veut, là? Il me donne le bloc, ok. On va juste vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça, c'est 11. Ça me paraissait bizarre. Et là, on a combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok. Ok, on est bien sur les proportions, c'est nickel. Du coup, il n'y a plus qu'à finir ça. Il faudra faire passer de l'autre côté. Et après, on aura fini le premier étage de cette maudite tour. Une tour qui m'aurait donné bien des problèmes. C'était une vraie prise de tête à faire. Ah merde, je suis allé un petit peu trop haut. Ouais, je suis allé un petit peu trop haut. Parce que hier, vous l'avez pas vu pour ceux qui étaient pas là tard sur le live, mais il y a eu des V1, des V2, des V3 hein, pour la tour. On a même fini après en créatif sur un monde solo pour pouvoir faire un design potable. Tac. On va peut-être faire le dragon au final. Ça serait bien. C'est ce que j'avais prévu, hein. Ah, mais... Quoi?
Je vais être full, non mais je suis full, arrêtez. Attendez, je vais être full moi. Je suis tellement pas prêt à tout ça. À tous ces dons là. Non mais tout ce qu'il m'a donné. Oh mais putain. J'ai même pas de place pour tout ranger, putain. Ok, bah merci beaucoup Finkano. De rien. Oh là là là. Ok, bon, on aura jamais, plus jamais à faire créer des trucs ou à miner hein, pour cette tour, je pense. Enfin, okay, en tout cas pour le premier étage, et ça c'est j'en cool. J'en ai plein d'autres si tu veux. Ah d'accord. Je croyais que t'avais la flemme. Ah oh, non. Ouais, t'avais que ça à faire, quoi. Ok. Vu que je vais sûrement me déplacer, mais sur l'autre version après. Ah, sur la version de Zarfou. Oui. Tu changes du coup de serveur? Oui. J'ai... Ouais, bon, le vu, mais qui pouvait, je reste ici là. De quoi? T'as dit quoi? J'ai dit vu, mais qui est pas ouvert encore, mais je reste ici attendant là. Ok. J'ai eu une autre idée pour la tour. Je me mets tout de suite. Bah vas-y, Arcanios, j'ai hâte de voir ça. Et pourquoi tu changes du coup de serveur et que tu restes pas. Ah, on y va direct, instant, ok. Bah, let's go. Let's go. Moi j'ai pas de bloc hein. Ok ça va, ils en ont. Et pourquoi tu changes de serveur du coup Finkano là? Bah parce que... je sais pas. Je vais pas rester sur celui-là? Tu veux recommencer depuis... Oh m'a poussé mais il me pousse pas Lure. Oh j'ai trop peur putain. Quel enfer. Oh donc j'étais en sneak. Oh là là. Ok. Bon j'ai pas de flèche et tout, moi j'ai juste servi à taper le dragon. Bah merci. Du coup il va y avoir qui sur le nouveau serveur là? Qui va rejoindre? Moi j'ai même pas d'arc. Moi j'ai un arc mais pas beaucoup de flèches. Oh là là, oh là là, c'est l'enfer. Ok, nous on va essayer de regarder les Enderman dans les yeux parce qu'on a pas de saut. Ah, quelqu'un est mort. Mais il est où le dragon? Mais il est pas apparu. Oh fuck. Where is the dragon? Ils sont fail ou quoi? C'est très drôle hein, mais... Il a répop? What the fuck? Bah y'a juste un cristal qui est apparu sur toutes les... Ah... Bah... Rip. Y'a pas de dragon au final. C'est un échec. Que le dragon, genre... Je le summon, ça va être un peu sur Spygod. Ah ça va, ok. Il est où? Oh! Il est là. Ah j'ai pas pris le fiole aussi pour le souffle du dragon, dommage. Il est bugué? Bah allez, vole! Qu'est-ce qui lui arrive? Ah ouais, fallait juste lui dire. Ok. Oh, avec les lags, ça va être incroyable. Je vais me chercher. J'ai fait un clip. Me pousse pas l'ure. Ah oui, ok. Non mais oui, mais j'ai failli die quoi. J'espère que ça se voit bien sur le clip, sinon je passais juste pour un gros connard. Ah, par contre avec les lags, c'est impossible de le toucher quoi. Moi je vais attendre qu'il arrive. Hein. Non mais y'a un mec qui va se... Il va se le faire dans les airs. Il se le fait dans les airs, mais excellent. Ah, oh, on voit pas la vie. Je sais pas. Ouais, c'est vrai ça, on voit même pas la vie du dragon. Non mais il descend jamais en fait, qu'est-ce qui lui arrive là au dragon? Moi j'arrive pas à le toucher hein, ça lag trop. Oh je suis mort. Mais qu'est-ce qu'il y a, depuis quand le dragon il peut faire ça? What the fuck? Ouais t'es mort comme moi. C'est quoi ce délire?
Revenez, moi je suis dans une zone safe. TP. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment il peut faire ça, dragon? J'ai trop fait slashback, du coup il me renvoie. Oh non. Slash TPA, Shinkano. Ah, il y avait ça, j'avais trop fait bug, du coup ça me renvoie au spawn. Trop bien. Il est mort. Il est mort? Oh non, j'étais pas là, c'est un échec. Ok, tant pis. Ah, je veux l'XP. C'est bon. Merde, je l'ai pas eu. La B2 va être hébergée par une vraie plateforme et toujours sur PC. En fait, pour mettre au clair la situation, il y a un joueur sur le serveur qui a été banni, sauf que comme c'est un ami très proche de Zarfou, et bah ils vont créer un arène, enfin un serveur de l'autre côté. Ce qui fait que du coup, les deux teams vont... Enfin les deux teams... Les, en fait, le serveur va se séparer en deux. Ouais, c'est ça, le serveur va se splitter en deux. Donc on a de côté ceux qui vont rester sur le serveur, et on a les autres qui vont partir du serveur. Voilà. Pourquoi j'ai pas mon slash? Ah c'est bon. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Apparemment le nouveau serveur va être... Enfin le serveur... Enfin le nouveau qui va arriver va être hébergé sur un vrai hébergeur. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que oui. Je sais pas comment ça va se passer. Moi, je sais pas sur quel serveur en vrai je vais rester. Je pensais rester sur celui-là pour être honnête parce que on a commencé à construire des choses. On a des projets etc. Mais si je vois que ce serveur il commence à... perdre en vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens, on ira sur le serveur de Zarfou. Hein. En plus, on perd Fincano, donc c'est une grosse perte quand même, j'ai envie de vous dire. Fincano, hein, c'est un peu dommage. Donc, faut voir. Mais peut-être, pense... mais je repasserai de temps en temps sur celle-là aussi. Ouais, mais bon, c'est comment ça se finit, ce genre de choses. On vient, on passe et on s'en va à la fin. Quoi. Ouais. Bon. Donc, on verra comment ça se passera. Mais je pense qu'on fera la soirée d'ouverture avec Zarfou. Clairement, parce que au cas où, si jamais je passe sur le nouveau serveur et que je vois qu'il est plus fiable, etc., et qu'il y a plus de monde, et bah comme ça on sera préparé. Et en plus, ils ont fait un lobby en créatif et le thème, j'en ai aucune idée encore, mais ça sera quoi pour le spawn? Mais ça sera pas médiéval. Ok, okay bah ça pourrait changer. Le spawn est fait en créatif, ça veut dire il sera peut-être plus stylé. Ok. Elle fait combien de hauteur ta tour déjà? Je ne sais pas, elle n'a pas de hauteur définie. En largeur, c'est du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va compter là, ce sera un peu plus logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Elle fait 15 de largeur. Si ça peut t'aider. Sans compter les arrondis, hein. Voilà, donc ça sera ça le programme. Je sais pas quand est-ce que ça sert de Zarfou à ouvrir. Je pense que ça va être imminent en vrai. Voilà. Zarfou, on va lui demander, hein, parce qu'en vrai, j'ai peur qu'il lance savoir sans moi. Mais je sais que ça sera d'ici moins d'un mois là. Dans moins d'un mois, ah ouais, c'est quand même long. Bah en fait, mais je sais pas, mais je sais que c'est vraiment bientôt. Vu que je pense qu'ils ont bientôt fini, je suis sûr. Ok. Salut Enzo. Il manque quelques trucs à régler. Je termine l'apéro et j'arrive sur le live. Bon, pas de problème, finis ton verre et tout, tranquille. Finis l'apéro, ouais. Attends, c'est sacrilège de rater l'apéro. C'est quoi en fait? L'apéro? Ok. Ça doit être vraiment français ou. En gros, l'apéro, c'est ce que tu prends généralement avant le repas. C'est genre un verre d'alcool avec des conneries à manger, genre des chips, des bretzels, des saucissons et tout. Oh, ok. Et genre, c'est un moment hyper agréable parce que genre t'es dehors et tout, il fait encore beau, machin. Voilà. Ah, ok. Et en France, les apéros, c'est un petit peu sacré, quoi. Avant les repas, pour cette famille, sans apéro, il n'y a pas de repas, quoi. Mon père est comme ça, d'ailleurs. Je lag vraiment trop, je repasse plus tard. Ça marque, j'ai sauce. Ok. Bienvenue, Graf, comment vas-tu? Et qui es-tu? Ok, ça va, on prend pas trop de dégâts non plus. Mais c'est pas du tout la même taille que je viens de faire, moi. Ouais, faut doubler là. Hein. Tout va bien, merci, et toi? Bah, ça va. Petit live sur Minecraft pour ce soir. Je pense qu'on va pas changer de jeu. Hein. Ok,
Bon, vu que t'es nouveau, je vais faire mon petit speech de présentation, comme je le fais tous les soirs. Je pense que les gens en ont marre. Enfin, les viewers actifs en ont marre de l'entendre, mais bon, faut bien. Hein. Alors, moi, je m'appelle Xenet, j'ai 19 ans. Je stream tous les soirs à partir de 21h sur différents jeux comme Minecraft Valorant ou Trackmania et Néon Abyss aussi. Mais Néon Abyss, autant dire que je le fais pas souvent parce que bah, les gens, ça ne les intéresse pas. Donc, je me retrouve avec un ou deux viewers et c'est un petit peu chiant, quoi. Voilà. Sinon, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, quel âge as-tu, toutes ces choses, quoi. Pour apprendre un peu mieux à te connaître. Et là, si jamais tu te demandes ce qu'on est en train de faire, je suis en train de faire la shop de mon futur... Enfin, la tour de mon futur shop. Ouais, c'est mieux si je le dis dans ce sens, hein, c'est un peu plus logique. Voilà. Hop, du coup, on est bon là ou pas? On est bon, on n'a plus qu'à mettre la pierre taillée. On va aller dormir aussi, parce que les meubles la nuit, c'est bon, ça suffit. Par contre, c'est pas très roleplay, hein. Dormir dans une arène, hein. On a déjà vu mieux. Ah, par contre, il y a un truc qui va... non, sur le live, ça va apparemment, mais si je fais ça, ça va être un petit peu mieux pour vous, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, après on n'aura plus qu'un pan de mur à faire, les trois nouveaux cœurs à faire, donc on ira dans le Nether pour récupérer un peu de glowstone. Et le premier étage sera presque fini, on mettra le sol et la déco. J'ai 22 ans, je suis polonais. Ah, premier polonais, excellent. J'apprends toujours le français, donc j'ai compris seulement une moitié de ce que t'as dit, ok. Je suis un youtubeur et je joue aussi sur Minecraft, mon hobby est apprendre les langues. Ok, bah bienvenue à toi, si jamais t'as des questions sur la langue française, et bah n'hésite pas à en poser. Après je pense que t'as du mal à comprendre ce que je dis aussi parce que je parle assez rapidement, alors ce qui va pas aider, et j'en suis désolé. Mais ok, j'avais jamais vu ça, un viewer qui passe sur les lives pour apprendre la langue, c'est vraiment cool. On va cacher ça comme ça aussi, ok. Tout ce que tu as à retenir de ce que j'ai dit, c'est je suis en live à partir de 21h tous les soirs. Voilà. Ah, ce vendeur. Ok. Donc là, il faut que je fasse l'arrondi. L'arrondi, on avait fait combien hier? 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, on est tous d'accord hein, pour dire que ça, à côté de ça, c'est quand même un peu mieux. Il y a quand même plus de design, c'est mieux. Même en termes de taille, hein, c'est plus logique. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que j'ai pas perdu mon temps à refaire une nouvelle tour. T'inquiète, il me faut apprendre d'être capable de comprendre quand les Français parlent vite. Ok, ok. Et bah, t'es le bienvenu. On aurait tout eu sur cette chaîne, hein. On a eu des barman, des Russes, maintenant des Polonais. Des Russes? Ouais, on avait déjà un Russe, ouais. Ah! Ah mais c'est cool, il y a beaucoup de variétés sur les lives, c'est sympa. Ok, on avait dit combien? 4, hein. Ouais, 4. Si, de toute façon, c'est quoi avant tous les lives? C'est un moment de partage, hein. faut se le rappeler. Donc tout le monde est le bienvenu. Bah non, c'est beaucoup mieux. Ouais, mais toi t'es pas objectif, Arcanios. T'étais là hier quand on a fait la VK de la tour. Alors je vous invite à aller voir la VOD d'hier, hein, parce que à la fin du live c'est parti en couille, hein, vraiment. On faisait des blagues et tout, c'était très drôle, mais ça avait plus trop de sens le live. J'ai même fait mon anglais en plein live, parce que j'ai des cours d'anglais. Tu connais bien la communauté française de Minecraft YouTube? Alors si tu veux dire si je les connais directement, non. Par contre si je les connais indirectement en mode je regarde leurs vidéos, ouais, je connais assez bien. Je connais les grands noms, hein. Je connais pas les gens comme Magic que j'ai découvert qu'hier. Mais les Hypierre, les Aurélien Sama, les Jimmy Boy, tout ça je connais bien. Ou les Ika aussi, les Gep, les Bigard. Les Bichard, les Bigard. Voilà, je connais bien. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question du coup, Graf? Alors, 1, 2... Ok, on a presque fini ce mur-là. Tac. Alors, est-ce qu'on va die? Non. Eh, mais
Est-ce qu'il y avait un œuf? Est-ce que l'œuf il repop quand tu fais le dragon une troisième ou quatrième fois? Oui. Ah merde. Je peux avoir l'œuf. D'ailleurs, oui d'ailleurs très intéressant. Si jamais on change de serveur entre temps, est-ce que ça vous dérange du coup? Si jamais par exemple demain je lance le live et on est sur le serveur de Zarfou et qu'on commence une nouvelle aventure, est-ce que ça vous fait chier? Ou en fait vous préférez quoi? Que je reste sur le serveur qu'on a aujourd'hui? Ou sur ou vous en foutez et tant que je joue à Minecraft vous êtes content? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Non pas que ça va forcément enfin ça va m'aider dans ma décision finale, mais ça va pas être vous qui allez décider non plus. Tu connais les tragédies Magic, tu le connais que depuis hier. Ouais, hier. Après le live d'ailleurs, j'ai lancé un de ses lives et puis j'étais en mode ah ok, c'est lui Magic. Mais tu as skippé mon cadeau. Mais littéralement. Hein? Il est où ton cadeau? Ah ouais, t'as merde. Je t'ai ignoré, je t'ai mis un gros vent en fait. Bah merci mec. D'ailleurs, j'avais plus de bouffe, c'est nickel. Ouais, vu que Vikanov a quitté le serveur, hein, j'ai l'impression qu'il me donne toutes ses ressources. Même pas que ça me dérange. Ah merde, c'est pas droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Me dites pas que... Ah merde. Et ben voilà, GG Xenet. Merci à tous, on a fait un mur qui était pas du tout de la même taille des deux côtés. Ouais, je crois qu'il manque... ouais. Merde, on va devoir tout casser. Parce que nous créons un serveur survival pour les youtubeurs. Comme un projet, mais il serait le premier serveur interlingual. Nous voulons 3 ou 4 youtubeurs de chaque pays. Et maintenant, je cherche pour des youtubeurs français, mais je connais pas qui est bon. Je m'en fous du temps que je me marre bien. Ok. Grave, ça, il y a un petit problème, c'est que. Alors, déjà, je peux te citer, tu m'avais dit combien de noms pour les youtubeurs? 3 ou 4. Ok, alors, je vais les écrire dans le chat. Les gens qui, selon moi, seraient parfaits. On aurait qui d'autre? Voilà. Je t'ai mis ces 4 noms, c'est des youtubeurs français. Le problème, c'est qu'ils ont lancé un serveur il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle HolyCube. Et c'est un serveur qui existe depuis très longtemps sur Minecraft. Enfin, c'est un serveur. En fait, chaque année, il y a différentes saisons. Et là, ils ont commencé la saison il n'y a pas très longtemps. Donc, ils risquent de pas être dispo avant pas mal de temps. Pour faire un autre serveur, hein, je te préviens juste. Il y a aussi The Guild, ouais, effectivement. Il y a pas mal de youtubeurs français encore hein, sur Minecraft. C'est pas un jeu mort. Je sais que sur certains pays, niveau Minecraft, c'est plus trop ça, quoi. Mais c'est pas le cas en France. Nous avons déjà un serveur comme ça, mais la majorité des youtubeurs ne font pas de bonnes vidéos. C'est juste des putaclic. Ah ouais. Bah nous youtubeurs à nous ça va, genre Hyper tout ça, franchement ça reste du bon contenu je trouve. En Pologne, ouais, j'avais bien compris que c'était en Pologne, mais en France, franchement, la qualité du contenu, ça va, ça reste correct. Après, il y a toujours des petites périodes de vide, hein, niveau contenu, mais là, pour le moment, depuis l'été, ça avance bien. Alors. Oh, il manquait bien de rangée, hein. On va rajouter la rangée. D'ailleurs, Graf, si jamais tu apprécies le live, n'hésite pas à follow. Moi, ça m'aide dans mon objectif de follower. Merci. Merci Graf. Je joue là aussi, mais je pense, tu joues où? J'ai pas compris ça par contre. On a oublié Siphano. Oh, j'aime pas Siphano. Libre à vous après de le mettre, mais moi j'aime pas. Ça je l'ai pas mis. Sacré emoji. Du coup ouais, je joue là aussi, mais je pense de... Ouais, j'ai pas compris cette phrase là du coup. T'es en train de jouer tout seul, ok, mais tu penses arrêter, c'est ça? Puis toujours à me regarder là. Il me kiffe trop, hein. Regarde mon cul, bébé. Eh, non, tu vises pas mon cul, toi.
Ok, on avait dit 4, hein. Aïe, mais ça va pas être encore bon. Mais pourquoi c'est pas bon? T'as oublié les deux blocs de... Ouais. Tu peux m'aider à tout enlever ou pas? J'aime mieux te regarder. Oh. Tellement cringe. Je vais arrêter de jouer là. Ah ok. Ne te follow pas, s'il te plaît, ça aide vraiment. T'as oublié les stone bricks. Ouais, je viens de voir. Je suis un peu bête. Je suis pas concentré sur ce que je fais. Ah, ils m'aident finalement. Tellement plus efficace. Alors, du coup, ouais, il y a plus de musique copyrightée, mais en vrai, ça passe là. J'ai trouvé une playlist hier qui est pas mal. J'ai travaillé pour ça. Je perds ma voix, putain. J'aurais dû m'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Du coup, il y a pas eu d'œuf, Incano? Oui, mais je l'ai vu l'œuf, moi. Regarde au milieu de ta construction. Bah quoi, t'es là, et alors? Qu'est-ce qu'il veut me faire? Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, mon dieu. On me refait jamais ça. Moi, ça rend bien dans ma construction. De quoi, les vitraux? T'es parti un peu trop. Peut-être faire les vitraux. Ouais, je suis pas concentré du tout. Peut-être faire les vitraux, mais plus haut dans la tour. Et qu'est-ce qu'il y a au fond? Mais y a rien au milieu de la construction? De quoi il parlait, Lure? D'accord, qu'il y a rien là. Oh, mais il a mis plein de blocs par terre de stone brick. Et je les ai toutes récupérées. Ah, ok. Ok. Et bah, mets-les dans les coffres, hein, tu sais où ça va. Du coup, t'as vu l'œuf, mais on dit qu'il y en a pas. Donc, c'est un en arrière. Donc y'a pas d'œuf. Ça se trouve, il monte, hein. Tu t'es trompé, c'est. Quoi tu encore? T'es trompé. Comment ça? C'est un bloc ici. Ah putain, oui. Oh là là. C'est deux blocs même. T'es sûr? Ouais, attends. Bah oui, regarde en face. 1, 2, 3, 4. Non, mais regarde en face. C'est ça. Mais c'est pas deux blocs en arrière? Non? De quoi en arrière? Y'a rien en arrière. Non, pas en arrière, mais là, mais le mur il va ici. Non, mais là, regarde, ça fait ça en fait. Hop, 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 et là, regarde, c'est bon. Mais non, mais c'est pas compté. Attends. Ah, je ne comprends ce que tu voulais dire. Ok. On annule. On annule. Attends, j'ai pris du temps à comprendre. Hein. Du coup, attends, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, il a raison. Heureusement qu'il est là. Hein. L'architecte. Ton pote est trop fort. Ouais, non, il est juste focus, quoi. Non, mais en vrai, il est trop fort. Moi ça rend bien. Oui, non, j'ai déjà lu ça. Alors, ok. En plus, je regarde des builds. Hein. On va apprécier. Ok, on va continuer à build. Sinon, on va pas être content. Par contre, j'ai pas de storm. Je vais aller chercher dans le coffre. Bec. Alors vite avant que le zombie arrive, il me casse les couilles. Voilà, c'est bon. Bon après, il faudra faire les 4 cœurs. Enfin, les 3 derniers cœurs, je veux dire. En plus, il me faut vraiment de la stone. Vas-y, donne. Ah! Attends. Nice. Non, je n'en ai pas. Bon, bah tant pis. Aiden. Ah d'accord. Bon bah. On va aller en chercher hein. Vu qu'il aime tant que ça travailler. Ok. Hop. Alors qu'est-ce qui va être beau notre job, j'ai hâte de le voir fini. Au pire on n'a pas des échafaudages, ce sera plus simple en vrai. Bah tu n'en avais pas reçu des. Ah ouais, j'en ai plein. Des trucs là. Quel connard. Je mets plein et je m'en sers pas. Mais tu faisais un côté. Mais si tu faisais un côté, un signe de carte, plus une porte. Ah non, j'avais pas compris ça. Non, ça va être un cœur sur tous les côtés, je pense. Et peut-être qu'en montant, ça va changer de signe.
Mais pour le rez-de-chaussée, ça sera toujours le cœur partout. Ok. Et c'est pratique, mais c'est une source d'eau. Il y aura une seule porte, hein. Ça sera ici la porte. On va aplatir un petit peu maintenant. En gros, quand je vais monter la tour, soit ça va être des vitraux, soit ça va être comme le cœur ici, mais avec un signe différent, quoi. Oh, j'ai shit mending hein, pour le reste de l'équipement, sinon il va se péter vite. Ok. Bon, on est parti pour les cœurs maintenant. Ça va être un peu chiant à faire, par contre, ça. Ok. Alors, est-ce qu'il nous reste... Enfin, combien il nous reste de lampes? Il nous en reste... Bah, elles sont où? Où est-ce que j'ai foutu ces lampes? Ah, elles sont là, je crois. Ah, elles sont là, ok. On va dessiner du coup le motif, donc c'est ce cœur. Alors, pour que je me souvienne, parce que ça va être un peu compliqué à faire... Salut Jules, comment ça va? On va un truc incentré. On va dormir avant, parce que là c'est la guerre en fait, vous avez tous les meubles qu'il y a, c'est pas possible. Nickel. La belle ref, as de cœur. Waouh, j'y avais même pas pensé, tu vois. Non, c'était pas du tout, c'est pas du tout une ref, c'est juste que... À la fin, je faisais des versions de ma tour, et puis ça a donné ça, quoi. Un joli cœur. Ça va être mon shop. Parce qu'à la base, pour ceux qui n'ont pas compris, à la base, mon pseudo c'était As de Cœur, en référence au youtubeur As de Pique. Voilà. Pas très glorieux comme anecdote, hein, je sais. Ah, il crame pas si on s'approche pas, hein. Saloperie. Vas-y, explose. Explosez là. Explose. Yes. Coup dur, mais bon, on en reparle. On reparle pas de mon pseudo de l'époque. Je me rappelle plus de son pseudo de l'époque, c'était quoi? Quel était ton pseudo? Je me rappelle plus du tout. Oh! C'est de la merde. C'est de la merde. Alors. En vrai, je vais vraiment galérer à faire ce motif. Je sais pas par où commencer. On va commencer par le côté, ça va être plus simple, je pense. Enfin, par le côté du cœur, je veux dire ici, là. Alors, ah, des échafaudages. Je fais une petite pause sur mon stream. Ok, ça marche. The Firefox. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Alors attends, du coup, là, ça va être un petit peu chiant, je vous préviens. Alors, faut descendre de 2, ok, 2-2. Alors c'est ça, 2-2, hein, ouais, 2-2. Alors là, si je compte bien, du coup, ça fait hop, enfin non, hop, et hop. Donc ici, on a le début du cœur. Après, ça va faire un truc comme ça, je crois. Là, c'est ça. Oh, je sais plus. Merde. J'ai eu un mec du serveur qui est venu sur mon live. Bah, c'est bien. C'est bien, écoute, je sais pas quoi te dire, mais c'est cool. C'était qui? Ah merde, comme j'ai bouché, je vois plus le motif. Ah, oh, trop chiant. On va devoir faire ça à chaque fois. Alors, 1, 2, là ça descend, là ça monte. Là on fait 6, 6 et on monte, ok. 6, 6, on monte. Ok. Alors. On a les 6 ici, c'est nickel. Après il va falloir descendre, je crois.
Alors, 6. Là, on descend, on fait une espèce d'angle droit comme ça. Et il y a juste les 4. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai foutu ? Y'a un problème là, non ? Non, peut-être pas, je sais pas. Et là, on descend, il y en a 4. C'est ça, non ? On est bon là ? Je crois qu'on est bon. On va bien voir, hein. C'est ça, non ? Je vais te host en attendant. Bah merci, je t'ai appelé du c'est comme ça. Merci Lure. Attends, je vois pas, j'essaie de finir mon côté. On verra qui a le mieux réussi. Qui s'est pas planté. Oh, c'est forcément moi encore. Hein. Je pense pas que je me suis planté. Attends, je vais vérifier. J'ai même pas été voir une seule fois. Ah bah, c'est correct. Ah ouais ? Bien joué. Bah en fait peut-être juste au début mais j'ai été bon mais après aïe mon dieu ton ah ouais le cœur il est bizarre là. Ah ouais il est bizarre hein. Il est très bizarre. Attends si je fais ça mais c'est bon là non c'est pas bon c'est ah merde. Ton cœur est déformé un peu sur le côté. Oh ça merde. En vrai, c'est rattrapable, c'est juste que je me suis un peu trop décalé quoi. Bientôt les 50 follow. Pour toi ou pour moi ? Pour moi, ouais, j'espère les faire d'ici la fin de la semaine. Je vais aller m'occuper, mettre dans le fond à faire. Ah merde, du coup, ouais, faut mieux parce que je crois qu'il est plus fort que moi à ce niveau-là. Bah, du coup, là, on est un peu trop décalé. Oh, ce vieux cœur tout pourri quoi, il était incroyable. Du coup, c'est plus ça, je crois. On est bon là, c'est bon là. Ah, là c'est un beau cœur. Là il fait plaisir à voir. On va juste vérifier avec le cœur de base si c'est bien ça. Non, ça m'a l'air d'être ça. J'espère juste qu'il est centré. Ouais, il est aussi centré. Nickel. On va préparer les échafaudages derrière. Comme ça on pourra mettre tout ce qui est lampe de redstone derrière après. Hop. Voilà. Ah, ça va être à peu près là, je crois, le milieu. Ok. Salut Mathilde, t'es plus modo ? Non, elle est plus modo depuis longtemps. Salut Steak Show, comment vas-tu ? Salut mon homme. Je vais finir par croire que t'es une meuf, hein, à force de m'appeler comme ça. Bah, faudrait ça va. Un truc de stone. On build tranquillement sur Minecraft. Ok, j'en ai. Vas-y, pousse-toi. Nice. Par contre, si je m'entends en écho, ça va être chiant. Ok. Bon, on a les cœurs. Maintenant, il va falloir trouver la glowstone pour faire les lampes. Il nous reste 5 lampes. On va les mettre. Puis après, on va aller dans le nether pour trouver la glow. Qui t'a dit que je suis un garçon ? Ah bah, je sais pas. Juste que... Tu m'appelles de la même manière que Kunex, donc c'est assez perturbant, on va dire. C'est une vraie histoire en plus. Ça doit être un en arrière, t'es. Hein ? Ah ouais, je crois que t'as raison. Putain, mais c'est moi qui build ou c'est toi en fait au final ? Bah, je sais pas. Je suis en train de me poser des questions là. Qui te dit qu'il aime les hommes ? Ah. Ah, qui te dit qu'il aime pas les hommes ? Ah, d'ailleurs, bah, du coup, tu vas avoir la référence, Jules, si je te dis qui c'est. Ça me fait penser à la meuf qui a un prénom composé. Je pense que tu vas comprendre, enfin, tu vois qui c'est. Ok. Hop. Et on va chercher de la glow. Tu viens avec moi chercher de la glow ou pas, Fincano ? Fincano ? Fincano ? Tu viens avec moi dans le nether ou pas chercher de la glow ? Oui. Ok, pas bien. T'as le temps de réponse ? Oui, mais c'est ça que j'allais faire. Ah ok. J'allais faire ça. Sacrée histoire, cette personne, ouais. T'étais son homme. Bah, c'était mon surnom, ouais, à un moment. Merde, il est où ? Ok, c'est là.
Je fais juste me déco reco parce qu'il y a plus rien mais qui charge autour de moi. Ah, tu bug. Quel BG pour... Mais non. C'est vrai qu'on a un portail ici pour aller chez moi. Et qu'on a toujours pas dépranké en plus. On va attendre Finkenwa avant de partir. Hein. Il est où? J'arrive, je prends le portail. Je vois ce que tu... De qui tu veux parler? L'amour de ma vie? Mais de quoi? Ah là là, c'est un petit peu cringe, ouais. Ça devient bizarre entre nous, cette chose. Il y a trop de rapprochements. Qu'est-ce qui se passe? Alors vas-y, on va où? C'est où pour aller de la chercher de la glo? Tu sais pas? Ça, j'en ai aucune idée, je pensais que tu savais. Ah mais non, je sais pas. Bon, on va se promener alors, c'est parti. Et quoi par là? Allons par là. Mais il y avait pas un chemin par là si je me rappelle, attends. Ah non, mais tu te fous de ma gueule. Je suis plus sûr s'il y avait un chemin par ici. Par mais la glace. Ton visage est si doux. Ok, on va enlever la cam. De pire en pire. Merde, mais il est où Finkano? Je l'ai perdu. Ah, bah t'as juste à prendre mais le chemin mais de glace et tu vas tout droit. Ici. Oui. Il est supposé d'avoir un chemin par là. Ben, je pense. Wow, je vois rien, je suis. Ta. Ah, bah ouais. Mon dieu. Ah, ok, il y avait un chemin. Putain, mais c'est tellement mal balisé. Ah, ben, on va se faire attaquer par un ghast. Fais gaffe. Ah, bah. Oh, ce bruit quand il meurt, ça me fait trop rire. Non, je l'aime, c'est tout un stado. Ouais, justement, c'est cringe MDR. Bah écoute, il a le droit de m'aimer quoi. Ah, j'ai pas pris mes élytras par contre. Bah, tu peux aller les chercher. Je te retourne juste à faire TPA. Ok. Ce plan me rassure pas, mais on va tenter. D'ailleurs, je crois que j'ai mis mes élytras au spawn. Je sens qu'on va se crash sur un mur. Je dis ça comme ça, mais. Très tête de mourir avec tout ça sur moi. Il se passe quoi? Bah écoute, quelqu'un me déclare son amour en live. Zenat a une première fangirl. Mais non. On est même pas sûr que c'est une meuf. Ça se trouve c'est juste un vieux mec. Là sur Discord, je t'ai fait un build cadeau. Ok, je verrai ça après. Là avant on va voler. On peut plus aimer quelqu'un maintenant, mais si. Ok, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Par contre, on les a pas enchantés, hein. Ah si, elles sont enchantées. Oh, on les a enchantées pour moi, mais trop gentil. Oh, je vais juste prendre ça avant. Oh, le bruit que ça fait, aucun sens. C'est des os, non? Oui. C'est ce bruit-là. Trop bizarre. Je sais pas. Mais de quoi? Mais le gars qui snipe quoi, il est à l'autre bout du monde. Ça n'a aucun sens. Ah bah il y a une forteresse ici. Ouais mais on va pas y aller, on cherche pas ça nous. Par contre le brouillard c'est un peu chiant. Ouf. GG. putain on va aller où nous? Bah on va descendre par là. Let's go, vas-y. Bon, t'as rien pris en l'air, donc si on tombe sur des penguins, on est dans la merde. L'Axenet se fait violer. Quoi? MDR. Attendez, il y a un petit combat avant. Voilà. Attendez, il se passe trop de choses dans le chat là. C'est ce qui va se passer. Ça dit donc, tu sais que je m'emballais avec l'ur. S'il a 100 000 abos. De quoi vous parlez là? Ouais, de mon futur ou quoi sans moi? J'ai rien compris, mais qu'est-ce qui se passe lui? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore? T'as des feux. Moi j'ai pas de feu d'artifice au cas où. Hein. Voilà, c'était pour qu'il m'en donne.
Ma technique a fonctionné. On va par où? Ça j'en ai aucune idée par contre. Plus en hauteur en vrai, hein. Je pense que la glow est en hauteur. Oui. J'ai peur de me foirer avec mes slitras. J'en ai trouvé. Et j'ai fait die, mais tranquille. Tout va bien, tout est géré. Alors attends, que je suis dans un endroit où c'est un peu tricky. Ok. Attention, bouge pas trop. Hein. Mon ancien compte était un de tes cousins ours. Check après sur Discord pour comprendre. Ah ok. M'en fous royal. Un peu steak show. De quoi vous parlez? Je ne comprends R. Je comprends R non plus. Enfin, je comprends rien non plus, t'inquiète pas. Hein. Véromoc, tu te drogues? On sait pas ce que prend le mag au goûter. Ah bah mais le squelette s'est suscité. Oh zut. Oh c'est tellement triste. La glow. T'avais vu mettre la mettre la glow, mais elle est où? La glow. Je l'ai récupéré déjà. Il n'y en avait que 5. Ah. Il n'y en avait que 5 et il nous en faut peut-être une trentaine. Bah on peut continuer par là. Vas-y. Au pire, on est espère chacun de notre côté hein. Ouais, bon bah bye. Salut. Oh, la glow ici. Ah, j'allais parler en plus. Ok, elle va être un peu dur à choper, mais j'ai des blocs. Merde, je vais pas faire ça. En fait, c'est en hauteur. Hein. Oh putain, je croyais que c'était toi qui étais mort, j'ai eu trop peur. Ah, je me sens que coupable. Ok, allez, ça part sur la censuration, lure, c'est dommage. Paf. Un peu steak show. Oula, Lure, le langage. Ouais, le langage. Merci, Lure. J'ai pas suivi ce qui s'est passé dans le chat. Apparemment, il y a des petits dramas ou je sais pas quoi. Mais ça m'intéresse pas. Pas ce genre de drama. Pas intéressant. Ok, ça. On est family friendly ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un en vrai peut me faire un résumé de ce qui vient de se passer? J'ai pas compris. J'ai les 10 sneak alors qu'il y a un gros trou. Bon après j'ai les élytras mais... Ne tombe pas, yes. Ok. Ne tombe pas, ok. Ça non plus ne tombe pas, ok. Ne tombe pas. J'étais trop haut. Un peu débile ce que je viens de faire. Oh non! Oh dommage. Ok, ça va. Ok. Et le dernier. Non! Putain. Ok. Calme. Voilà. Je crois que je vais mettre. Ouais, je vais te mettre modo. Je vais te mettre modo. Jules. Sansuta. Putain, tellement chiant ce pseudo. Suta. Normalement, c'est bon, t'es modo. Voilà, comme ça, il pourra censurer les messages qui sont pas corrects. Ça évitera de perdre du temps. J'en ai trouvé. Oh, beaucoup même. Oh. Ah, nice. Waouh, les chunks se chargent pas, c'est un enfer. Oui, je me suis mangé 10 murs, mais depuis le début. Excellent. Pourquoi il fallait voir qu'il marche plus non plus? Oh, 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 putain. Ah, ah, non. Alors, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. En gros, il y a eu du lag, du coup, les fireworks se sont envoyés beaucoup trop tard. Ils se sont envoyés à la suite, et d'un coup... Vu qu'il y a eu du lag, j'ai eu plus de propulsion. Donc là, je tombe actuellement dans un lag de lave. Et donc, quand j'ai mon recours, on va juste mourir avec tout l'équipement qu'on a et évidemment tout à glowstone. Donc là, j'ai juste envie d'arrêter ce live. Voilà, merci les lags, c'est génial. C'est vraiment trop bien. C'est pour ça que je vais changer mes serveurs aussi. Pour les lags. No, je suis là pour une fois, tu es mort. Oui, je suis mort, merci de me rappeler. Je vais juste voir si je m'en sors, mais à mon avis, c'est mort. Hein. Ah oh ouais, je suis bien sur la live. Yes. Ok, bah là il me reste 3 cas et je suis mort.
Non, parce qu'en fait, avec, avec la lave, je prends sur 6 coeurs d'un coup en moins. Donc, en gros, je peux pas survivre. Ah. Alors, bon. Là, je suis en train de. Ouais, bah là, je suis mort. Hein. Voilà. Super serveur. J'ai juste plus envie de jouer en fait, c'est trop bien. Super. Super les lags, merci. Inquiète-toi pas, je n'en ramasse plein. Non, mais là, j'ai plus mes pioches, j'ai plus mes élytras et tout. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Ok, bah là en vrai j'ai beaucoup de choses à manger, je vais pas le montrer mais j'en ai tout cassé mais c'est pas grave. Je suis dispo aussi en tant que modo, je préviens juste. C'est juste que je fais plus confiance à San Sutado parce que c'est un ami dans la vraie vie, donc je le connais bien quoi. C'est vachement bien foutu le rôle de modo, bah écoute si tu te dis GG, oh mec j'adore, retourne sur le tien. Sur le tien quoi? Bah dans mon cas si, dans mon cas c'est... Je vais me plaindre, là je suis tilté donc j'ai besoin de m'énerver contre la personne qui héberge. Oui. Plus de propulsion. Avec les fireworks. En plus mais c'était mes feux d'artifice que j'ai fabriqués. Trop bien. Ouais bah je pense qu'on va passer sur le nouveau serveur hein, plus tard. Parce que là franchement là, ça me fait beaucoup trop tilt. Ce genre de choses arrivent plus tard, c'est pas possible. C'était le destin, je pense. T'as eu de la chance, comme moi, je suis tombé dans la lave avec un full P4 meilleure pioche, et du coup, bah, nous sommes pareils. C'est pas notre journée. Bah ouais, c'est pas ma journée, là. T'as dû générer des zones où personne n'est allé, et le temps de chargement a créé un petit lag. Et ça t'a douillé. Ça aurait pas arrivé si vous aviez pris un vrai hébergeur. Et du coup, on peut pas faire d'armure en diamant, vu que j'ai pas assez de diamants. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. On va faire une armure en fer. J'allais dire quelque chose, mais t'allais refuser. Tu veux me faire... Vas-y, non, voilà, je refuse pas, par contre. Bah, attends, là, je vais... ramasser la couche qui manque. Attends, j'arrive un peu en vogue, tu pourras te défouler sur moi. Mais non, mais je vais pas t'insulter, je vais rien te faire. Qu'est-ce qu'il raconte Tiens, je pensais aussi, je pourrais être ça pourrait être sympa de mettre... Mikuya, c'est qui? C'est quoi, Mikuya? C'est quoi Mikuya? Ah mais non. Je suis pas tombé dans la lave, c'est correct. Je suis tombé sur un arbre. Ah non mais bah c'est nul. On ira plus dans le Nether. Hein. Mais j'ai tout récupéré mes trucs, c'est correct. J'ai tout. Bon bah du coup toute la glow, je sais plus ce qu'on a perdu, on a perdu plein de choses en vrai. Bah j'ai tout mais la glow encore, c'est correct. J'ai tous mes trucs sont là, mon arc, bah j'ai tout. C'est voilà. Le système de niveau Twitch, tu sais? Non, je sais pas, non. En fait, il y a différents systèmes de niveau selon ce que tu prends. Moi, j'ai le système de niveau de Stream Elements, mais c'est pas le foutu, donc personne s'en sort. Je pense que je vais revenir dans l'Overworld. Ouais. Et je vais aller te faire une armure entièrement... Du coup, envoie-moi le lien de ce truc-là, je vais voir ce que c'est plus tard en live. Ah oui, c'est vrai, j'avais récupéré des armures, mais dedans le land, je pourrais t'ordonner. Je pense que c'est que c'est une salope. Parfait. Mais en fait, t'as pas compris, l'heure. Genre, t'as dit salope, genre, qu'est-ce qui te dérange dans ce que je te dis? Genre, salope, faut pas le dire, c'est un mot très déplacé, en fait, surtout pour insulter un viewer. Aucun sens. Il ne parle pas et quand il parle, c'est pour insulter. On va aller voir. On va aller voir Fincano, le bro. Allez, tiens, man, je vais te faire ton casque. Ok. Putain, mais il a tellement de diamants, c'est bon. c'est où ta table de craft? Elle est une en haut et une en bas. En haut là? Non mais bon viens, mais viens en bas en place. Ça va être mieux. Ah c'est vrai t'as un sous-sol. Bon, pas de respect s'il te plaît.
Il a donné les droits à un fermier. De quoi tu parles? Tu ne connais même pas Jules. Ouais, on... time out le s'il te plaît. Il est un petit peu chiant. Ah mais tu m'as tout fait déjà. Enchanté en plus, bah nickel. Ah fils de... Non c'est pas de ma faute, ça c'est quand je l'ai trouvé dedans. Mais dedans l'end. Je l'ai mis, j'ai en mode oh non c'est pas possible. Bah tiens attends je redonne tes diamants. Mais par contre j'ai pas en m'enchanté le casque et... Ah bah, tu me volais mes diamants en plus. Non pas du tout. Mes pauvres diamants. Bonsoir Xenet et... Et quoi? Et Tour, le pondé. Et Xenet j'ai ton mag... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais bonsoir Xenet et... Ah et tout le monde. Et Xenet j'ai ton magasin en passage. Il est super. T'as vu le nouveau ou pas? C'est-à-dire... Ah merde on est pas au bon endroit. Du coup, est-ce que t'as la glow? Attends, je suis en train de les fabriquer. Tu parles de l'arène? Donc ça? Ou tu parles du nouveau magasin? Enfin, de la nouvelle tour? Merci, Sensuzado. Kento, s'il te plaît. C'était pas très sympa. Ouais, il a été time out, hein, donc il sera plus là pendant quelques minutes. Ton magasin est sympa. Ok, merci. Faut aussi de la restone au cas où, hein, si jamais tu viens sans en prendre. Inquiète-toi, je les ai toutes fabriquées. On y a 44 lampes au total. Ah, ça devrait être bien, ça devrait être assez. Qui a 44, pas 40. Je me suis trompé. Nice. J'avoue, c'est ma tour. Ah oui, d'ailleurs, donc là c'est le prénom, enfin le nom de la tour c'est la tour Famax, référence au live d'hier, je vous invite à aller voir la VOD. Non, ouais, je vais pas faire ça, c'est pas sympa. C'est le F de Fincano, c'est le A de Arcanio, c'est le M de Mathilde, c'est le A de Arcano et le X de Xenet. Et là on a la reine Mathildus. J'ai très tard hier soir qu'on avait ça. J'avais 40 levels et j'ai tout perdu. Bon, tiens. Bah voilà. Au moins, t'as encore ton stuff. Ça fait deux fois que je perds 40 levels. Ils sont supposés d'être quelque part ici, ils sont invisibles, je pense. Ah non, je l'ai encore dedans, mais... Et l'arène aussi, c'est une super idée. Bah écoute, à la base, ça devait pas être une arène, hein, ça devait être une tour, hein, mais c'est un peu parti en couille. Mais tiens. Merci. Je lui ai mis 10 minutes dans un premier temps, mais il y aura pas de prochaine fois. Ah si, il y aura une prochaine fois. Il y aurait quand même quelqu'un d'important dans la communauté. Juste que tu lui allumes tes timeouts encore de plus en plus long. C'est tout. Les bans, quand tu bannes quelqu'un, le fais... Merde, je fais la même erreur que tout à l'heure. Quand tu veux bannes quelqu'un, le fais pas. C'est moi qui banne les gens. Je préfère, hein, comme ça je maîtrise mieux les bans. Ok. Mais putain, mais deux... Ah, oh, ça l'a bien placé, heureusement. Ok. On va virer les échafaudages, on va les mettre un peu plus loin. Voilà. Je suis tellement pas doué. Il s'est désabonné. Ouais, ok. Ah, il s'est unfollow, d'accord. Bah écoute, tant pis pour lui. C'est un petit peu chiant parce qu'il sait très bien plus ce que ça représente les unfollow, mais tant pis. Hein. Il veut faire son connard. Oh, et puis il a 12 ans, hein. Si jamais vous n'étiez pas au courant, le chat. Il est assez jeune. Merde. Hier, vous étiez vraiment claqué. Ouais, on était... Bah toi aussi, hein. En vrai, on a fait n'importe quoi hier soir. Non, un tout petit peu. C'était comme des purs... Vous étiez comme des purs gamins. Mais non, ouais. C'est juste de la rigolade. C'est con, ça, parce que... Je pense, à 12 ans, on n'est pas assez mature. Pour moi, c'est ce que j'en pense. Ouais, on n'est pas très mature, surtout pour live. Hein.
Je pense qu'il a commencé à live parce que je live aussi. Et du coup, je sais pas, il imite les aînés. Mais bon. Ouais, ce qui me ferait pencher, c'est qu'il se unfollow là, tu vois. Parce que là, le compteur de la commu est complètement mort. Faut que je le retire parce que c'est plus du tout les bons chiffres. C'est dommage, hein, ça qui mettent pas à jour les gens qui unfollow après. Et bah, tu sais quoi, je crois qu'on va pas en avoir assez, MDR. Ah, toute cette expédition là pour pas en avoir assez. En vrai, il va nous en manquer, mais un petit peu. Ah, oh, ça va être chiant. Ok, attends. Hop. Salut. Elle est où la sortie? Elle est là. Ah merde, j'ai oublié des trous. Ah ouais, bah on va pas du tout. En fait, pour le dernier cœur, on en a pas du tout en fait. Ouais. C'est con de ça, je pense. Il m'insulte en MP, MDR. Ah ok. Bah écoute, ignore-le. Oh, le plagieur. En fait, il veut faire tout comme toi, c'est mon point de vue après. J'ai l'impression, après c'est un enfant, c'est normal. Moi je suis un peu plus mature. M'insulte pas, mais non mais t'inquiète. Ouais Mathilde, toi ça va, t'es plus mature que lui. Faut dire que c'est pas bien compliqué. Comment ça? Du coup il me reste juste une glow. Non mais sinon on va le ban, hein. On va voir, tu préviens lui que s'il continue à t'insulter, on le ban, hein. C'est bon. C'est quelqu'un de très gentil, que je connais, etc. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir des viewers qui sont des gamins, quand même. Tu veux que je te banne des mots? Ouais, genre pute, salope, des trucs comme ça, comme Lure pouvait dire. Après, les insultes comme connard, ou merde, ou putain, non. C'est des trucs, ça va, ça passe. Ok, est-ce que tu peux, si c'est pas trop demandé, est-ce que tu peux chercher un petit peu de glow encore pour finir le dernier cœur et moi je mets les leviers et tout? Oui. Je vais essayer de pas crever. Ouais, parce que là je me sentirai coupable après sinon. Ah, on a déjà des sticks, pas besoin d'en refaire. D'ailleurs, si jamais tu veux, Jules, je jouerai bien à Valorant vers 1h du matin. Si jamais ça t'intéresse et que tu peux toujours. Jouer. Parce que je répète, mais le live va être beaucoup moins long que d'habitude. Je suis un petit peu fatigué, donc j'essaie de me coucher vers 3h. Oh, mais il faut tellement le levier, mais quel enfer. Alors, t'abonnes quoi? Pute, salope. Aussi, quand ils sont en pluriel. Je sais pas si ça décompte. Faudrait pas que je disais à voix haute, hein, c'est pas ouf. Bah il est gentil, mais je pense des fois il dépasse les bornes et c'est chiant. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, Lure est très gentil, c'est quelqu'un de très gentil. Le problème c'est que il a tendance à souvent dépasser les bornes et ça fait déjà plusieurs fois qu'on prévient. Et là, clairement, après agir comme un gamin et insulter quelqu'un qui l'a time out sous ma demande, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est clairement... on voit rarement ça, quoi. Donc ouais, c'est mérité, quoi. On verra. T'as failli mourir, c'est ça? Je vais t'envoyer un screenshot où je suis. Ok. Là, je joue quand même. Ouais, mais à son âge, j'étais pas comme ça non plus. Enfin, je sais pas. Y a des limites, quand même. Je pose les leviers n'importe comment. Je pense qu'on peut les mettre de façon plus intelligente. Parce que là, il y en a trop, en fait. Genre, j'en mets 4 par truc, ça n'a aucun sens. Alors, si j'en mets un là, ça fait quoi? Bon, c'est pas assez. Si j'en mets un là... Ah, non, bah non. Si j'en mets un là... Ah, c'est un casse-tête à mettre les leviers. Si j'en mets un là, ok. En fait, on va devoir en mettre tout le temps. Hein. Enfin, partout, je veux dire. C'est pénible. Irrespectueux, ouais.
Et non, Xena, je travaille demain, donc par contre, ce week-end, je suis disponible si tu veux. Ok. Vous êtes chiant à travailler. Ça a quoi travailler, au fond? Ok, on va voir ce que ça donne dehors. Après, ça sera entouré de feuillage, hein, bien sûr. Bah, c'est pas mal. Même si ce cœur-là m'a l'air plus bizarre que l'autre, mais ça doit être un effet d'optique, je sais pas. Pas trop, mon frère, il a 19 ans et est toujours aussi immature et con. Ah, après, c'est des frères, hein, ils étaient juste comme ça avec toi. Acheter un tableau graphiste MDR. De quoi? Ah, comment ça, un tableau de graphiste? Je comprends pas. Tu veux te lancer dans le graphisme? Tu veux être en concurrence avec moi, c'est ça? Faut mieux qu'il travaille que de s'ennuyer. Oui, ouais, j'ai soi, ouais. Non, mais je sais, je dis ça pour rire. Juste que c'est gênant, parce que le soir, du coup, je peux pas jouer avec mes potes, quoi. Oh, bah, je te l'ai envoyé, je suis atterri pile à cet endroit. C'est bon, t'as réussi? Non, mais je parle, mais je t'ai envoyé la photo où je suis atterri pile sur un bloc. Ok, on va voir ça, on va montrer ça sur le live. Putain, mais barrez-vous, il y a trop de monde là. Mais oh là, j'en ai marre. Allez, viens, viens. Ok, on peut aller dormir vite avant qu'ils arrivent. Ok. Faut mieux le travail pour acheter un tableau pour une tablette pour le dessin. Alors là, c'est ok, c'est bizarre. Si tu veux apprendre à dessiner, c'est très dur hein, sur tablette. Hein. Faut mieux apprendre sur papier. Moi, j'avais fait cette erreur à l'époque et au final, du coup, j'ai toujours pas dessiné en fait. J'ai dessiné des trucs, mais vite fait quoi. Et sur tablette, j'ai une tablette aussi, je m'en suis jamais servi donc. Moi, dans pas longtemps, je travaille aussi, donc je pourrais pas être jusqu'à 3h du matin. Ok, ok. De toute façon, le live sera beaucoup moins long aujourd'hui, vous inquiétez pas. Ah, bah j'ai trouvé une grosse source de glowstone, parfait. Du coup, nous, il fallait qu'on fasse des leviers. Il fallait que t'ailles voir le screen aussi. Ah oui, le screen. Alors, voyons ce screen. Mets des leviers comme ça. Ah, j'avais pas vu. Ah, nice. Ok. Attendez, je vais vous montrer l'écran. Voilà. Donc ça, c'est Arcanios qui nous montrait donc son ancien skin, donc très ressemblant, hein, sauf qu'il est un petit peu flippant. Et là, il nous propose du coup ça pour les leviers. Niveau levier, c'est vrai que c'est pas con. J'en mets un là, un là, un là. Ok, on retient les dalles. Je suis pas trop fan. Ah, si c'est pour cacher. C'est vrai que c'est mieux hein, si c'est pour cacher l'intérieur. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est quoi tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, c'est lui qui m'a fait la prank? Ou alors c'est un temple à mon effigie? Je sais pas. Montre. Puis moi, c'est un bloc qui me demande beaucoup de repos. Donc c'est pour ça, sinon je serais resté. Ok, pas de problème. Je signe déjà sur papier plutôt bien, mais j'aimerais me lancer dans de la couleur. Et tout quoi, on a un petit projet d'histoire stylé. Marche avec Nathan. Ok. Ah, manga, un petit. J'avais pas lu le manga, ok. Ah, un manga avec Nathan, sympa. Tu vas travailler dans quoi, Enzo? Ton temple, mon seigneur. Ah, ok, c'est mon temple, putain. Donc, ça, c'est moi, hein, le roi du temple. Tout va bien. Ça, c'est mes gardes. Ils sont stylés, les gardes. C'est un très beau temple. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais il est beau. Ok, alors, voyons le screen de Fincano. Ah, d'accord, ouais. Il atterrit juste là. Et là, il y avait tout ça autour. Putain, son jeu est bizarre. Il a dû mettre un pack de textures ou quoi, je sais pas. Oui, oui, j'ai un pack de textures. Ok. Là, c'est bon, vous avez vu le screen de Fincano, vous êtes content. Comme je vous avais dit, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. On va changer les leviers, comme ça on va en gagner, on va peut-être pas devoir en crafter de nouveau. C'est moi, un peu moins d'une semaine. Ok.
Bien joué à toi. Je travaille en tant qu'agriculteur. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais déjà dit. Bah écoute, n'hésite pas à mettre le live quand tu travailles, hein. Je vois trop l'agriculteur qui met mon live ici, serait trop drôle. Effectivement, c'est nickel, hein. Mettre les leviers comme ça, c'est l'idéal. Super, merci beaucoup Arcanios pour ton tips. Ok. Ah, c'est cool ça, dans le tracteur avec le live. Totalement faisable MDR, mais ce serait ultra drôle, hein. Ah merde, on a pas assez de leviers quand même. Ah non, je les ai pas récupérés. Ça serait ultra drôle, moi je pourrais dire, bah y a un agriculteur qui regarde mes lives en travaillant. Voilà, y a pas plus stylé en fait, c'est comme atteindre un achievement dans sa vie. Ok, nickel. On a pu attendre maintenant que Finkan revienne avec le reste. Ouais, je faisais déjà avant de te connaître. Je le mets sur la route quand je conduis le tracteur. Mais c'est incroyable. Cet agriculteur 2.0 quoi. Incroyable. Ah putain, ça fait des bonnes anecdotes à dire, hein. En fait, il y a tellement de viewers qui passent sur le live que putain, j'en ai des histoires. Maintenant, putain. Ok. Plus qu'un cœur. On va continuer la tourne en attendant. On va mettre un sol. Alors l'idéal, c'est que ça a déjà été creusé, donc on n'a plus qu'à foutre le sol. Qu'est-ce qu'on va mettre comme sol? On avait dit quoi comme sol hier? Je sais plus, on va vérifier. De rien, ça doit se transmettre de génération en génération. La pose des leviers Minecraft. Ah bah oui, hein. C'est un savoir millénaire. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait hier, vous voyez. D'ailleurs, j'ai oublié cette partie-là. On va la mettre. Peut-être que ça va faire mieux pour l'entrée. Et maintenant, je vais te regarder, toi, en route. Car les autres sont moins actifs. Par contre, moi, je fais que des lives à partir de 21h. Donc tu seras sur la route à 21h? Je pense pas, hein. Dommage. J'arrive. Est-ce qu'il nous reste les barreaux? Dites-moi qu'il nous reste les barreaux. On a perdu les barreaux. Oh non, terrible. Oh non, on a plus les barreaux, mais vraiment. Bon, on va rentrer à la maison. Tiens. Merci. Oh putain, mais tout ça? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait beaucoup sur un filon. Beaucoup. Incroyable. Ah ouais, c'est énorme. Et ça, c'est juste un filon de glowstone. Ah ouais, c'est juste un seul en plus. Comment c'est possible? Oui. Oui. Et ben, il en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai pris une petite voix. Oui. Hop. 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 Tac. Non. Putain. Tout va bien, juste casser les jambes. On va voir que tu te mettes à faire des matinales. Oh putain, si je faisais ça, ça va me tuer, hein. Ça va vraiment me tuer, hein. Ou alors, faut que les lives le soir durent moins longtemps. C'est-à-dire faire du 21h minuit et le lendemain matin, je fais du 8h, 10h. Truc comme ça, je sais pas. Parce qu'en vrai, je fais déjà beaucoup d'heures de live, hein. Mais c'est vrai que matinale, ça pourrait être pas mal pour bien me remettre dans le rythme en plus. Après, le problème, c'est que les nouveaux viewers, ils arrivent généralement vers vers 1h du matin et tout, donc je perdrais beaucoup de followers si je faisais ça aussi. Peut-être que le matin, j'en gagnerais, je sais pas. Et moi, je serais là, mais un live sur deux. Si, pour aller donner à manger aux vaches, je conduis. Ah! Mais aussi tard le soir? Je trouve ça bizarre. Merci pour le follow. Ah bah c'est dur qui s'est réabonné MDR. Donc du coup je te dis pas merci, tu vois. J'avais déjà dit merci à l'époque. Ok. Eh hey, salut toi. Ah mais j'ai pas de levier, merde. Ouais, c'est tard le soir. Ah ouais, ok, chaud. 21h, il va aller. Oh putain, j'ai trop hâte. Préviens, le jour où tu fais ça pour de vrai, ça va être incroyable.
Ok, on fait les derniers leviers qui nous manquent. Après, on met le sol. Et on aura fini le rez-de-chaussée. Bon, on n'aura pas fait la déco, mais on aura fini, on va dire, la pièce en elle-même. Ok. Moi, c'est pas mal là, on est bien, non? Allez, si on va. Ah, mais pourquoi c'est pas allumé? What the fuck? Ah, t'as éteint. Rallume! Voilà. C'est pas mal. On montre notre amour aux personnes qui jouent sur le serveur, c'est bien. Si tu continues les streams dans 3-4 ans, je serai à mon atelier de menuiserie en train de regarder ton live. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, t'inquiète, je t'enverrai même, oui, une photo de mon tracteur. Oh, ce serait incroyable ça aussi. Oh, je veux, ah ouais, on veut tous. Je pense qu'on veut tous cette photo. Hein. Tellement de viewers d'horizons différents, c'est super. C'est trop bien. Ok, on va rajouter cette colonne de pierre taillée, j'ai oublié de la faire. Sur les autres côtés. Il faut aussi qu'on fasse des grilles, si on en manque. Ok. Après, je pense que si je continue à live, hein, j'espère que je vais continuer à live et que je vais pas perdre la motivation. Qu'est-ce que tu fais, Pincano? Merci pour... Mais arrêtez de refollow, s'il vous plaît, c'est un peu chiant, parce que là, ça... Ben voilà, mon compteur, il est baisé au-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chiant, là, par contre. Arrêtez de unfollow et refollow. Salut, le chanteur de Toon. Oh, ça fait longtemps, toi. Ça fait très longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pincano? Arrête! Ok, il a juste pété un câble, c'est pas grave, on va laisser tranquille. Bon, vu que je vais regarder sur mon téléphone, il y aura pas le téléphone car j'utiliserai pour la photo. Ouais, mais c'est pas grave. Tu prends la photo et tu regardes sur le live directement. Ou tu prends la photo plus tard. Comment ça va, le chanteur de Toon? Lure. C'est 100% lure. C'est 100% lure avec ton compte? Ça me paraît bizarre. Ok. De toute façon, si l'un de vous deux le refait, il se prend un time out. Hein. En vrai, c'est vraiment chiant. Ah, j'ai des buts sur les follow, ouais, c'est ça. Hein. Donc là, du coup, là, à cause de vous, je vais devoir perdre mon temps ce soir à refaire tout ça, là. Enfin, tout ça. À refoutre sur chaque scène le goal de follow. Merci à vous. Pourquoi tu dis moi? Parce que je t'ai vu te refollow en fait. Avec un autre compte par contre, ouais c'est un autre compte mais pas ouf. Bon, à cause de la nuit blanche d'hier, je suis fatigué. Bonne nuit, à demain. Ouais, bonne nuit Arcanios. Parce que t'es pas beau. Mais quoi? Tu sais Lure, je ne te crois plus. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, on a fait tous les côtés je crois. Puis on va démolir ça parce que c'est vraiment pas beau. Tac, tac. Pas passer tous les soirs hein, de live avec des viewers comme ça. C'est pas l'idéal. Hein. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit, Jules. Vous dites bonne nuit à... Je suis con. Vous dites bonne nuit à... À Arcanios. De toute façon, vu que j'ai pas beaucoup dormi aussi, on coupera le live à minuit. On est à combien de followers du coup avec tout ça là? On doit être à 42. 42, il nous manque ouais, 8 followers et on pourra être éligible au statut d'affilié sur Twitch. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les subs, les bits. Donc franchement, si on arrive, bah GG à tous.
Déjà, c'est, on est allé très loin. Enfin, on va, déjà, on est allé vraiment pas mal loin. Il y a d'autres streamers qui galèrent beaucoup plus au début. Donc, GG à tous. Je disais bonne nuit. Ouais, j'ai compris après. Désolé. Je suis pas beaucoup de chat. Hein. Moi, je lis, puis après, j'oublie. Le pire streamer. Je suis officiellement pire follow. Bah ouais, là, tu casses un peu les couilles, mais tranquille. Ah merde, ok. Mec, je suis désolé. Beau sans faire exprès. Arrête. Attends, c'est qui c'est à vous là? C'est encore Lure. Ok. Lure, tu refais ça. Ça part sur un gros timeout. Un timeout d'une journée, je pense. C'est, je trouve ça d'ailleurs bizarre qu'on puisse spam les follow. Hein. C'est vraiment bizarre. Je vois même pas comment Twitch peut autoriser ça. Ah, pourquoi ça marche pas ça? Ça aurait marché. Ouais, donc ça doit pas être le même cœur. Hein. On a dû se foirer. Hein. Qu'est-ce qui... Pourquoi c'est pas pareil? Ah oui, c'est pas le même cœur, attendez. Bah, c'est supposé être les mêmes cœurs. Ah ouais, en fait, je pense que la... Ouais, il y a des lumières que j'ai mis en trop quand j'ai fait le truc hier soir. Non, il y a le même nombre de lumières. Attends. Non, il n'y a pas le même nombre parce qu'au milieu, il y a... Regarde, je vais te montrer. Oh, ok, je viens de voir. Et alors, c'est ça, là. Oh, bah, en fait, mais c'est moi, mais qui vient de tout me modifier le cœur. Ah ouais? Ah non, l'œil est correct, je pense. Non, ah, c'est bon, c'est juste ça, je crois. Ok. Et là, tu vois, au-dessus, ça doit être en trop. Ouais, c'est en trop. Tu... Ouais, il est en trop. Ah, bah, c'est moi, en fait, qui l'a amélioré, le design. Mais non, c'est juste que moi j'avais mis des trucs en trop et on les voit pas de l'autre côté. Oh. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit beaucoup de messages. Le remarque par nous MDR, non, j'ai tes messages, je veux pas. Ouais vas-y, là t'es pas crédible. GG à toi surtout pour tes magnifiques lives de qualité. Merci beaucoup Enzo, merci beaucoup beaucoup. Est-ce que j'ai les droits au quadruple compte? Non. Non, ça sert à rien, putain. Bon, Lure, je pense que tu vas faire time out dans très peu de temps si tu continues vraiment. Là, tu deviens beaucoup trop pénible à mon goût. Tu gâches le live, on va dire même. Parce que moi, je m'arrête en plus pour te lire et tout, et je vois que c'est pas très intéressant ce que tu dis, donc. Je sais pas ce qui t'arrive ce soir, t'es juste casse-couille en fait. Ici, on dit tout à ses viewers, on s'en bat les couilles. Ok, on va aller faire des grilles à la maison. J'ai plus de torche. Ah bah oui, je suis mort. Trop bien. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a clippé cette mort? Cette mort nulle. Pourquoi j'ai rien fait? Bon allez, time out moi ça, Jules s'il te plaît. Time out moi ça pour la soirée. Parce que là c'est bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Merci pour le follow de Chantoun. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous pensez que c'est drôle de unfollow et de refollow après? À part si peut-être que le chanteur de Toon n'était pas follow, je sais plus. Je crois qu'il était follow, mais je suis pas sûr. Mais arrêtez en tout cas, si vous êtes follow, arrêtez de unfollow. C'est pénible, on a les notifications qui sont envoyées tout le temps. Moi après, sous les stats derrière, c'est le bordel. Je comprends plus rien à ce qui se passe sur le live, c'est trop chiant. Je me suis jamais follow. Ok, merci. Alors du coup, merci beaucoup chanteur de Toon. Désolé, hein, je suis un petit peu énervé, mais c'est... Voilà, je suis désolé. Du coup, merci beaucoup chanteur de Toon. Et désolé de m'être énervé contre toi alors que tu n'étais pour rien du tout. Ok, donc on avait dit de faire les foutues barrières. C'est bon. Home, arène. Je pense que tu casses un peu les couilles à tout le monde. Désolé pour le terme, mais t'es chiant en fait pour tout le monde. Yes. En fait, c'est juste ce soir, sinon il est gentil. Hein. Merci, Jules. On remercie tous sur Mox pour avoir créé la Discord. Ton live est très bizarre avec Claude qui vient d'insulter. Qui vient pour insulter. Ouais. Clairement. Il est bizarre ce soir. Il est bizarre, mais bon. On fait avec. On va juste vérifier
En solo, si... Ouais, non, ok, j'avais fait ça comme ça avec un petit bug de stone. Ok. J'espère qu'il est bizarre, mais dans le bon sens, en mode bizarre, mais intéressant, pas bizarre, en mode... Hey, il est pas ouf. Oh, c'est aussi ça, la vie de streamer, hein. C'est de recevoir... Enfin, d'avoir des petits viewers qui sont un peu des gamins et qui cassent les couilles. J'avoue. Il y a des bonnes raisons ou pas? De quoi? Quand c'est bizarre? Enfin, qu'un truc soit bizarre, ouais, je pense. Je pense qu'il y a des choses, qui peuvent être très bizarres, mais qui peuvent être... Enfin, c'est bien qu'elles soient bizarres. Que ça rend les choses plus intéressantes. Ou alors je pars trop loin et là vous arrivez pas à me suivre, ce qui est totalement possible. C'est un petit peu mieux comme ça, hein, non? Non? Moi je préfère. Moi je préfère, ça habille un peu le truc. On va aller chercher nos feuilles de chêne s'il en reste. Je crois pas qu'il en reste. Ouais, on en a plus que 5, on va aller en récupérer d'autres. Où est-ce que j'ai foutu... mon sécateur, je sais plus comment ça s'appelle. Bah je crois que je suis mort avec, donc on va en refaire un à la maison. Non, pourquoi il a insulté? Alors pour expliquer un peu l'histoire, chanteur de Toon, vu que tu viens d'arriver, en gros, ce soir il était un peu pénible, il défollow, il unfollow, enfin c'est très chiant, du coup on avait les notifications en double. Et il était si vulgaire dans le chat, du coup on l'a time out 5 minutes et après il a commencé à insulter Momodo dans le chat, enfin Momodo en MP. Et là c'est parti en couille. Voilà. Mais bref, on va pas s'éterniser sur le sujet, on s'en fout. On est là pour le jeu. Il y a des patates cuites gratuites devant mon shop. Ah ouais, donc Funkeno s'en bat les couilles, hein. Il sait que le serveur il va plus être dessus, c'est bon, il donne tout quoi. Et ben on va vite se dépêcher d'y aller pour tout prendre. Alors que moi-même, je sais pas si je vais rester, mais je pense pas du coup, vu que le serveur il est pas assez stable. Il est ban ou juste mute. Il est juste time out, donc en gros il est viré du live pour une certaine période. C'est un ban temporaire, on va dire. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai dit pas de conneries. C'est où les patates gratuites? Ici. Oh, c'est trop triste. Fermeture définitive de Phoenix Shop. Le Phoenix Shop sera de retour sur la V2. Oh. Ah, c'est ici. Vite. Oui. Vite. Ah merde, je suis full. Ça on s'en bat les couilles. Et tout, de toute façon, j'en ai d'autres, mais dedans, mon chez moi. Je vais. Okay. Bah, au pire, on ira le voler plus tard, c'est pas un problème. Me voler, ah. Waouh. Wow. Ah, c'est ça l'amitié. Ah. Tu reviens sur Neo Gibraltar, bah en fait le problème c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Donc jouer tout seul sur serveur quand je suis en live c'est un peu chiant quoi, je vais pas te le cacher. Donc je suis toujours dessus hein, mais pour l'instant je joue pas quoi. Et du coup non, je vais pas revenir sur Neo Gibraltar, je vais sur un autre serveur hébergé par Zarfou. Et au Finkano va y aller, et moi je suis Finkano hein. Ah ok. C'est cool ça, ramène ta commu sur le serveur privé qu'on a. J'y ai pensé, hein, mais tu vois, je me dis, si jamais on invite des gens comme Lure, bah ça va vite être le bordel, quoi. Et trier les gens qui sont sérieux et qui vont pas foutre la merde, bah c'est compliqué en vrai. Parce que les gens peuvent toujours péter des câbles un jour ou l'autre et utiliser de la TNT et tout exploser. Et vu que notre serveur c'est un serveur vanilla et qu'il n'y a pas vraiment de protection, bah faut vraiment être très confiant, quoi. On voulait faire quoi déjà? Pokémon, il doit être un peu triste. Il doit être un peu triste, mais il l'a bien cherché hein, en vrai. Il a bien cherché et moi il m'a rendu un peu triste aussi, donc voilà, c'est chiant. Ouais, c'était ça, c'était la tour. On voulait. Ah oui, on voulait habiller la tour avec des feuilles de chêne autour. Oh, le chat est sans pitié. Il est comme moi. Surtout qu'en plus, franchement, j'ai été cool avec lui. Hein. On l'a prévenu plein de fois, chanteur de Toon, donc. En vrai, je pense que. Il y a des façons un peu plus horribles de se faire virer d'un live, hein, vraiment. J'ai pas fait comme ça, je suis en mode. Oh bah tiens, toi t'es ban, allez salut! Non, on a pas fait ça. Hein. Enfin bref, on s'en bat les couilles en vrai. Ok, je pense qu'on a assez de feuilles de chêne. Faut que je m'enseigne comment faire des tonneaux. Je crois que j'en ai jamais fait.
J'ai remis d'autres patates cuites. Deck. Bah en vrai j'en ai assez hein, je pense. Et je te remporte ça en même temps. J'en ai assez, de toute façon, si jamais je joue sur des arfous, tout ce que j'ai là, ça va pas me servir. Hein. Ouais, je sais, mais bon. On verra. Mais c'est joli, ici. Où ça? Ben, ici. Chez moi? Ah oui. Ben, merci, ben la merci. Tour. Ah la tour, c'est pas encore une tour mais ouais, ça va pas tarder. Le début mes deux tours. Moi surtout quand j'ai mon mot à dire, je le dis. Bref, on profite du live de Xenet, voilà, c'est ça. Bon, peut-être qu'il est moins intéressant que le drama qui vient de se dérouler. Hein. C'est possible. Malheureusement. Les dramas sont toujours plus intéressants, quoi. Oh, on a déjà plus de... Bon, on va rechercher. Oh, d'ailleurs, j'ai une potentielle bonne idée. Vas-y. Vas-y, je suis preneur. Là, si vous avez des idées, hein, pour un live ou n'importe quoi, dites-les, hein. On verra. Des fois je les prends, des fois je les prends pas, je suis assez honnête là-dessus. Je vais pas vous dire, oh j'adore cette idée alors que je l'aime pas. Ok. Si tu veux jouer avec les viewers, on peut faire des sacrées soirées d'ici. On peut faire des soirées d'ici. Ah ouais, pourquoi pas. Après, on va attendre que j'ai l'affiliation avant de faire ça, mais ouais, ça peut se faire. Ah, c'était pas time mode pour la soirée. Ah ok, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, le problème, je sais pas si je vais expliquer ça, Jules, c'est que il y a des stats à faire pour être affilié à Twitch. Et le problème, c'est que tant que je les fais pas, et bah, en gros. Où est-ce qu'il a tiré? Ou alors c'était un lag, je sais pas. En gros, si jamais on fait pas ces stats là, bah je serai jamais affilié quoi, ça va être une boucle sans fin. Donc faut que je sois affilié avant de pouvoir faire vraiment des lives avec 2 ou 3 viewers en mode bah les couilles. Là on peut pas trop. Voilà, ça j'avais déjà expliqué plein de fois, hein. Il y en a plein qui sont au courant déjà, je sais très bien. Son deuxième compte. Comment il a fait pour avoir un double compte? Bah tu crées un autre compte avec une autre adresse email, c'est aussi simple que ça. Si jamais tu vois qu'il commence à insulter et à faire le même comportement, tu le time out aussi, hein, sur le deuxième compte. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on va mettre comme seul pour la tour? Qu'est-ce qui serait l'idéal? On peut mettre des planches de sapin... On peut mettre peut-être de la diorite, d'andésite, ou du granit. Ou tiens, ouais, aussi des bulles de sapin écorchées. On va voir, on va faire des tests. Alors si jamais je mets ça. C'est pas mal, ça fait un petit peu plancher, mais le problème c'est que le contraste ici il gâche un peu tout quoi. Ouais, ça peut passer, mais je suis pas trop fan. Si on met de la diorite. Hein. Il est marqué que son message est supprimé, il doit sûrement être ban. Je sais pas, peut-être. Oui, pour la soirée, ok. Oui, ouais, et Dicit, c'est pas vraiment un jeu qui attire le... Ouais. On pourrait plus faire une soirée comme ça, mais hors live, tu vois. Wisebot, lui, au moins, il casse pas les couilles.
Il est à tes ordres. Ouais, il est très fidèle à Wisebot, c'est le... Ouais. Le meilleur viewer, quoi, en final, j'ai envie de vous dire. Mais non. En vrai, du coup, je sais pas ce qu'on pourrait faire comme sol. C'est un amour, Wisebot. Wisebot, il est là, il dit les phrases qu'on lui dit de dire, et puis c'est tout, quoi. Rien de plus, rien de moins. C'est un peu comme Fincano, quoi, quand il parle pas beaucoup et qu'il commente de temps en temps. C'est le meilleur duo, quoi. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'on fait comme sol? En vrai, moi, je serais bien partant pour faire de l'andésite, comme ça, avec après des motifs en diorite, ça pourrait faire pas mal. C'est un peu notre bébé à nous, Wisebot. Ouais, carrément. Non, il est time out, du coup, ses messages sont sup. Ah, ok, je savais pas que c'était comme ça. Je pense qu'on va faire ça, andésite plus diorite. On va faire ça, je pense. Et puis ça m'arrange parce que j'ai plein d'andésite et de diorite, donc on fait de pire de coups, quoi. Ok. Ouh, la musique de merde, par contre, là, ça me va pas du tout, ça. Ça a l'air d'être mieux, ça. Alors, diorite. C'est vrai qu'on doit aussi faire la salle d'enchant, on l'a toujours pas fait. Il y a des tartes gratuites devant ma... mon... Oh les tartes. Oh les tartes. Vite. C'est le coffre d'or. Oh, il y a aussi tout ça, mais attends, il y a aussi des siltats du tout, mais t'es un ouf. Mais les siltats, mais c'est pas... Mais gratuit par contre, c'est toujours un diamant. Ah merde. Bon, il repose, hein. Et te les tartes juste au-dessus. Super, merci. On a tout pris. Ouais, on va pas tout prendre, c'est pas sympa. On va reposer, voilà. Voilà. Ok. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, notre tour. Enfin, qu'est-ce qu'elle va être belle. Ok, on va juste poser ça avant. Ok, c'est sûr que ça va pas faire trop loin par contre de mettre de la durée de partout. Est-ce qu'on a... L'andésite elle est là. Ok. Quoi? Ah d'accord, je savais pas ça par contre. Ok. Ok, go essayer, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses de ce bloc? Bah ça cause là, j'ai un pack de textures, mais je devrais l'enlever pour voir. Attends. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat aussi, hein, surtout? Interagissons ensemble, bordel de merde. La violence. Et là, si je fais genre un motif à la con comme ça, vite fait. Et que je fais genre un truc comme ça, voilà. Non, mais si le temps que j'enlève mes packs de texture, mais te revenir à tour. Parce que Pinkel a pas un PC très performant, quoi. Oh, ok, bon, ok, voilà. Ça a quand même été vite, mais bon. Ça colle, non? Non? Sois honnête, bah, hein. Bah, ça marche bien. Bah, là, mais je suis honnête, là, mais c'est. Bah, je sais pas. C'est un V, Tommy, ou un. Ouais, c'est un V, c'est en attendant. Après, je pense que je vais faire un X, on connaît comme ça, je sais pas. Le X, tu pourrais le mettre genre au centre, mais de la pièce. Je pense que je les ferai à la fin, je pense, parce que je vais faire l'escalier avant. Tu sais pas? Je sais pas. Ouais. Bah go tout placer puis on verra. Bah ça fait assez mais classique, je trouve. Bah ouais. Ça pourrait marcher mais ça pourrait être encore mieux. Tu verrais quel bloc toi? Je sais pas, un peu de granit poli, je sais pas.
pour au même mais au centre avec le motif. Attends, je cherchais ça. Ah oh, ben on teste là, mais ça veut pas dire mais ça va te plaire là, mais. Ah non mais on teste, c'est bon. Je vais faire plus dans des hits avant. Ok, go tester. On fait un ban. Ah non, on fait pas de vote pour ban des felures. Non, non. Puis même, c'est pas le chat qui a décidé de banner un viewer. Ça, c'est quoi ce bordel? Vous pouvez pas avoir tant de pouvoir sur un live. Parlais un motif au centre de la pièce. Je parlais pas à l'entrée. Non, mais regarde, regarde. Hop, on continue comme ça. On fait un truc symétrique. Oh mon dieu, j'ai bugué pendant une seconde. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, ça fait un truc comme ça. Puis. Voilà. Attends, moi je te vois encore en train de te construire. Bon. Bon, ça motive vite fait, hein, mais ça pourrait donner ça, tu vois. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Ouais, il y en a un qui est plus long que l'autre. Et on peut même mettre la durée de genre, je sais pas, genre au milieu. Il faudrait mais que tu recules, mais mettre de 1 pour que ce soit exemple genre. Le motif. Oui, mais celle-là ici. De toute façon, on va pas regarder ces motifs-là. Hein. C'est juste pour voir ce que ça pourrait donner. Oui, je sais, mais. Ban-le de ton Discord, mais pourquoi tu veux le ban? T'étais le premier à le défendre en mode faut pas le time out et maintenant tu veux le ban partout. Pourquoi tu veux le ban partout? Ah, pour l'instant il est juste puni, il est au coin comme on dit. Ou il est puni de live pour ce soir. Non mais je parlais pas de mettre celui de gauche, je parlais de mettre celui de droite. De quoi? Mais de toute façon là c'est. Les motifs je les ferai à la fin. Là je vais juste mettre un seul full andésite. Et les motifs on les fera à la fin, hein. Comme ça qu'on ira la déco de fête. Si que de la diorite ou du granit, il y a des doubles coffres dedans, mais remplis dedans mon shop. Ouais, ok. Mais par contre l'andésite j'ai genre juste 2 stacks, ou 3. Ok, ok. De toute façon on m'a fait plein de dons, je devrais avoir assez. Bonsoir Mr Fox, comment vas-tu? Ça bon, fait donc temps, hein. Mettre mon... Tu viens de rater un drama, t'as bien de la chance. Ouais, je vais aller chez toi, je crois, parce que j'en ai plus. Ah si, j'en ai plein. Oh bah j'en ai plein, c'est bon. Bah, il a dit des insultes et... Il est ban. Et là, il est ban. Non, mais il est pas ban def, il est juste ban... tu vois, pour la soirée. En mode, il est puni, c'est un enfant, faut le punir pour qu'il comprenne les choses. Ça va, tranquillement, on build sur Minecraft, petite soirée. Le live va durer beaucoup moins longtemps que d'habitude, mais bon, je voulais quand même faire un live. Hein. Je voulais quand même vous parler. Je vais envoyer des photos sur Discord de ma base. Ok, bah tout le monde, hein, commentez au maximum, enfin au maximum, ceux qui le veulent, hein, commentez la construction d'Enzo, dites-lui ce que vous en pensez, etc. Puis je ferai pareil, moi. Je dis qu'on soit envoyé, ok. Il y a un bloc de diorite par rapport ici. Ah et mince, je l'ai oublié. Par contre Enzo, si tu envoies sur Discord, envoie-le sur le Discord de la communauté. Hein. Ça sera plus intéressant pour tout le monde. J'ai vu qu'hier tu restais jusqu'à 5h30. Je dormais depuis longtemps. Ah ouais. Ouais, c'était un très long live, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus court que d'habitude. Hein. Je suis un petit peu crevé. Mais ouais, c'était hier soir, c'était vraiment drôle. On était tellement claqués qu'on disait n'importe quoi, qu'on faisait n'importe quoi aussi. Donc je vous invite à aller voir la VOD si vous voulez vous taper des barres. En tout cas, tout le moment, on rigolait bien. Après, je sais pas si en vidéo, ça se retranscrit aussi, autant. Imagine, il pleure. Ouais, t'inquiète. Comme d'hab. Oh putain, la violence. Non, il va pas pleurer. Il est juste ban ce soir. Tout va bien. Tout va bien. Bien
serait mais stylé mais mettre des lanternes ici, je sais pas. Ouais, il est même sur le serveur, tu vois. Ouais, il s'en fout, il vit sa vie, il est content. Où ça, des lanternes? Ici sur tes mes barrières en place des torches, je sais pas. Sur mes barrières. Mais sur tes Ah ouais ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est, ça pourrait être pas mal. Est-ce que j'en ai encore moi des... Sinon je peux aller t'en chercher. Je crois que j'en ai chez moi sinon hein. C'est comme tu veux, soit tu vas en chercher, soit je vais en chercher. Bah je vais aller en chercher mais pardon mais que tu finis ton plancher. Tac. Il est quelle heure? Ok, on va rester encore ensemble pour je pense 50 minutes de live et puis après je vais couper pour ce soir. Ça sera le live le plus court de la chaîne historiquement. Est-ce que... Non, j'ai encore de l'andésite, tout va bien. Fais des parties de lanternes. Ah non, fais des petites lanternes. Pas des lampes à redstone. Où ça? Pour le cœur? Pour le cœur, je pense que le mieux c'est quand même ce que j'ai fait là. Hein. Mais c'est quel villageois mais qui échange ça déjà? Ah bah c'est lui. Mais je suis stupide. Je pensais trois fois devant lui. Non pour l'entrée. Ah mais c'est ce qu'on va faire là, de toute façon t'inquiète pas, c'est ce qu'il est parti chercher Fincano justement. On va mettre les petites lanternes à l'entrée, ça va faire beaucoup plus propre. C'est ça comme si c'était mon idée hein, mais c'est Fincano qui a eu l'idée ouais. Bien sûr. Mais j'en ai aucune idée mais si ça va rendre bien mais on verra. Du coup je pense qu'au final on va faire plusieurs entrées hein. En vrai, attendez, est-ce qu'on fait une entrée au sud? Et quoi au sud? Ouais, j'ai pu lire tes messages pour dire ça, chanteur de Toon, c'est pas... Y'a pas d'intérêt à lire ça. Non, pour l'entrée, ouais, ok. Ouais, ça fait ça, c'est un peu mieux. Ouais, non, c'est mieux. C'est mieux, je pense. Ok. On va faire une entrée au sud aussi. Ah, oh, mais ça rend... Mais ça rend bien avec le plancher. Ça rend bien, et en plus, quand il y aura les motifs, ça va vraiment être pas mal. Sans vouloir me vanter. Ta porte est pas centrée. Non. Non, si c'est bon là, pour l'instant. Non, elle peut centrer. Oui. Ouais, il manque ça, quoi. Attends. Bah oui. Ah, c'est tout. Mais j'ai le droit de le faire, gros bêta. Salut The Wolf, comment vas-tu? Bon, t'as vu, le serveur Discord il marche bien. Hein. Normalement, y a plus de problème. Puis y a du monde dessus, c'est cool. Tout le monde avait parti et a bien compris que l'ancien serveur Discord n'allait plus fonctionner. Du coup, on va virer ça. Hein. Ah, mais merde, j'avais pas vu ça, mais oui. Comment est-ce qu'on relie ça? On va tout mettre en jury pour le moment et on verra plus tard. Pour l'entrée, on fera un truc un peu mieux niveau bloc. Bien, je suis le plus important. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Alors ouais, donc ça vous voyez, ça c'est une provocation je pense. Peut-être une menace pour me dire que j'ai besoin de TNT pour détruire la base de Xenet ou ce qu'il construit. C'est possible. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Bah, j'ai fait un Discord je crois. Oui, mais venir et directement dire je suis important grâce à ça, c'est pas ouf quoi. Mais oui, tu es important. Tu es administrateur Discord effectivement.
Ah oui, c'est vrai. Oui, hier on en parlait. Et en fait, il a pas le même pseudo sur Discord et sur Twitch. Du coup, j'étais en mode ouais, mais personne va voir que c'est toi l'administrateur Discord. Et du coup, il a dit qu'il voulait dire ça dès le début du live. Voilà. L'aise de la terre. Bah non, j'ai pas envie. On va peut-être en laisser sur un petit peu, mais on va pas tout mettre en terre. Enfin, on pour la décoration intérieure, mais ça serait stylé mettre quelques endroits avec genre mettre la terre et avec des fleurs ou des trucs comme ça. Intérieur, ouais. Oh. Bah vas-y, si tu veux, tu peux déco. Je te fais confiance, tu peux. Bon, mais ça dépend aussi où tu vas mettre mais l'ascenseur ou les marches là. Je pense qu'on va mettre un ascenseur au milieu. Comme ça. Pile au milieu ici. Ouais, comme ça, des deux côtés, les gens peuvent arriver et prendre ça. Tu peux mettre des blocs ici pour dire que l'ascenseur sera là. Bon, il me faut une pioche, c'est le touch déjà. Ok. Oula, faut vraiment qu'on commence notre construit avec Nathan. Pourquoi? Du coup, j'ai pas suivi, excuse-moi, mais c'est quoi ici ce que tu builds? Ah oui, désolé. Non, c'est ma faute, j'aurais dû te t'expliquer. Alors, en gros, pour faire un résumé du live d'hier, au début, on avait commencé à faire une tour. Le but, c'était de faire une tour pour que ce soit mon futur shop. Donc, on avait commencé avec ce bâtiment-là. Sauf qu'après après quelques heures, après l'avoir fait, j'étais en mode « Ouais, ça me plaît pas et tout. Le bâtiment est trop massif. J'aime pas les blocs que j'ai utilisés. » Et j'avais pas quand même envie de le détruire. Du coup, on l'a converti en arène. Donc, maintenant, ça va être une arène pour que les gens puissent se combattre et régler leurs différends. Et à la place, on va faire cette tour-là qui va être mon shop. Donc mon chef va avoir 3 étages, un étage pour la vente de poissons, un étage pour la vente de fleurs et de colorants, et un étage pour la vente de rails. Voilà, c'est des trucs qui n'ont rien à voir ensemble, mais du coup comme on va faire plusieurs étages, ça va permettre de différencier les shops et ce qu'on vend, donc normalement ça va bien fonctionner. Mais vu qu'on va peut-être changer de serve, bah, peut-être que ce problème ne sera jamais fini, donc pour le moment je continue. Je vais péter un câble. Vu que on va peut-être changer de serveur parce que le serveur où on est aujourd'hui va se splitter en deux. Les gens vont se séparer. Voilà, faut une présentation de ton nouveau serve Discord. Non, c'est comme l'ancien mais en plus simplifié, il y a moins de salons pour que ce soit moins fouillis. Et dès que vous rejoignez le nouveau serveur Discord, il faut que vous acceptiez les règles dans le channel règles. Vous lisez les règles, vous descendez tout en bas et vous avez un petit emoji à valider et c'est bon, après vous avez accès à tous les canaux et en gros vous retrouvez un canal discussion générale pour la communauté et après une partie live pour moi où je suis actuellement. 9 viewers, ouais c'est pas mal ce soir, ouais. Après notre pic c'est 11 viewers hein, maintenant, donc faut battre ce record. Bonsoir Pierre-Loup. C'est vrai, je t'ai même pas dit bonsoir. C'est ce que tu as fait depuis hier. Ouais, on a pas mal avancé. On a pas mal avancé. Ok, je vais arrêter de blablater. On va continuer parce que là, ça va pas. Du coup, là, de ce côté-là, il manque les petites grilles ici. Avec les lanternes aussi. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on va quitter ce serveur-là, c'est qu'il manque de stabilité. Clairement, des fois c'est un peu trop chiant de jouer dessus. Les combats, les mobs, tout ça, enfin rien n'est stable, donc du coup, souvent là, on est dans des situations dangereuses. Alors qu'en soi, si c'était stable, on pourrait s'en sortir facilement. Ok, je vérifie tout le tour. On va faire ça un peu plus haut. Et est-ce que vous voudriez avoir un serveur privé juste pour la communauté? Est-ce que ça vous intéresserait les gens?
Tu comptes passer sur un serveur privé ou pas? Bah, ça va être le serveur de Zarfou là par contre. Ça va être son, vraiment un serveur à lui parce que là c'est un serveur qui est pas à lui où on est aujourd'hui. Donc je sais pas, c'est à lui de voir s'il accepte le monde ou pas. Oh, you putain breaking. Bah en fait, si vous voulez, moi à côté de ce serveur là, j'ai ce serveur ici qui est Neo Gibraltar qui est à moi. Et donc je joue pas dessus parce qu'il y a, plus beaucoup de personnes actives. Et donc du coup je me disais que peut-être l'ouvrir à la, communauté pour les gens les plus sérieux d'entre vous. Du coup pas prendre n'importe qui, hein, c'est une whitelist, ça va pas être ouvert à tout le monde. Et bah peut-être faire un serveur juste avec la commu. En fait on a deux possibilités. Soit on continue à jouer sur le futur serveur de Zarfou. Soit on se fait un serveur entre nous. Et que ou là ce sera moi qui va le gérer. Mais ce sera du vanilla, hein. Il y aura pas de plugin et tout, ce sera vraiment du pur vanilla. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préféreriez, peut-être. Même si après, je prendrai la décision tout seul, hein, évidemment. Ah, vous me dites quoi? Ouais, ça serait cool, pourquoi pas oui. Donc le staff est en prio. C'est pas une question de staff, de prio, hein, c'est choisir des personnes au cas par cas, hein. Mais ouais, le staff peut venir évidemment. Ouais, je vais juste prendre les gens sérieux. Hein. Si, je peux très bien avoir, je sais pas, un modérateur pas sérieux, même si c'est pas le cas. S'il est pas sérieux, je le prends pas quoi. Et juste des gens actifs aussi, tu vois. Staff Discord, non. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas pour le staff Discord, Jules? Ça sera que pour les joueurs PC. Ah bah oui, ouais. Ça sera que pour les joueurs PC parce que j'ai 5 serveurs pour PC, hein. Pour Windows, donc on peut pas faire autrement. Dans le channel général, il y a une déclaration de l'Urmog pour toi, XD. D'accord, on va voir. Non, je dis juste que le staff Twitch est dessus. Quoi? Juste que le staff Twitch est dessus, antiquez-moi. Ouais, clairement, bah oui. De toute façon, en fait, faut vous dire, niveau hiérarchie, on va parler un peu de Discord, du coup. Niveau hiérarchie dans Discord, même si j'ai pas parlé de hiérarchie, hein, on est juste là pour s'amuser tous ensemble. Mais on va quand même, du coup, en parler. Niveau hiérarchie sur notre serveur Discord, faut se dire que les bros sont avant le staff. Enfin, je vais vous montrer les rôles directement, ça sera plus simple. Voilà. Donc on a fondateur, donc ça c'est moi. Ensuite on a les bros qui sont au-dessus des, administrateurs Discord et modérateurs. Et ensuite on a tout le reste. Voilà, c'est juste ça niveau hiérarchie parce que vu que c'est des gens que je connais bien et qui je fais vraiment confiance, et bah du coup pour l'instant c'est les bros qui ont on va dire le plus de confiance et le plus de pouvoir. Oui, serveur premium Mathilde. J'en reste en premium. Alors, du coup, ici, il nous a écrit. Si vous me bannez Dev, je vais être triste. Vous êtes bon. Si on me banne, je n'ai plus jamais sur ton live. En plus, un ban de 9h, c'est chiant. En plus, au début, c'est une personne qui m'a dit que je prends de la drogue. Puis, je me suis fâché. Ensuite, on m'a ban. Puis, j'ai acheté le modo parce que j'étais fâché. Je voulais surtout pas me faire ban parce que j'adore tes lives. Je suis vraiment désolé. Bah, écoute, il va quand même être ban. Tu restes ban pour la soirée. Voilà, on fait un peu de modération en même temps sur le live. Un plaisir. Ok, on retourne sur le jeu. Alors s'il vous plaît, est-ce que Jules, tu pourrais lui expliquer qu'il est juste ban pour la soirée et que demain tout ira bien, il sera de retour sur le serveur. Bah allez-y, venez tous faire de la déco. Tu veux aussi faire de la déco, Sados? Allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, on en est où, nous? On va faire le prochain étage, je pense. On va agrandir un peu la tour parce que là c'est pas trop une tour, hein, pour le moment. Cool, je suis premium. Je croyais que tu voulais pas aller sur le serveur. Enfin, on verra. On verra ce qu'on fera, les gens. Et Antique et moi, on a un gros projet de build sur l'autre serveur. Quel autre serveur, Jules? J'arrive plus à suivre, moi. Il y a trop de gens qui ont des projets partout sur différents serveurs. Me perds. Il insulte le modo aussi, ouais. Il a aussi insulté le modo, donc bon, il a fait un sans faute, quoi. C'est-à-dire toutes les raisons de se faire ban.
Mais bon, vu que c'est quelqu'un, c'est un habitué, c'était le premier à me suivre, ça me fait quand même un petit peu chier de le ban comme ça aussi facilement. Donc il a, on va dire qu'il est un petit peu privilégié par rapport à ça, c'est vrai. Du coup, Jules, j'ai hâte que tu m'expliques parce que là, j'ai un petit peu peur, je comprends plus rien moi. Qu'en fait, Antique et Jules, qui sont modérateurs sur le serveur, sont avec moi avant, enfin, ils jouaient avec moi sur Minecraft. Et ces derniers temps, ils jouaient plus trop sur notre serveur, donc ils ont voulu faire du modé et tout. Et je crois que ça s'est mal passé. Et du coup, je sais pas ce qu'il en est, s'ils ont un autre serveur maintenant ou s'ils sont toujours sur Neo Gibraltar. Ah non, ils ont toujours, ok. Ils ont toujours un projet sur notre serveur à nous. Tu en penses quoi? Ok. Et bah je vais y réfléchir et attends, je te réponds juste après. Je vais y réfléchir et je pense que d'ici la fin de semaine, je vous dirai si on va sur mon serveur à moi ou si on part sur le serveur de Zarfou. Voilà. Si on va sur mon serveur à moi, bah je prendrai certains followers les plus sérieux. Et si on va sur le serveur de Zarfou, et bah là ce sera Zarfou qui devra décider qui peut venir ou pas. Ce sera pas un qui pourra décider. Voilà. Donc en gros, soit on joue avec les modos, soit on joue avec Fincano et Zarfou. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu en penses quoi ici? Alors c'est pas mal, après faut mettre les plantes et tout, mais c'est mais pas seul, mal. Si mais je sais, mais je parlais du report ici. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Bon ben, je vais faire ce pour les quatre coins. Ouais, ça marche. Et après, tu pourrais même faire sur le côté là. Faire aussi une petite bande de terre. Hein. Je sais pas. Enfin, c'est à tester. Et bah, je verrai. Vive Far Cry 5. Ouais, il a l'air bien le nouveau. Hein. J'ai vu le trailer il y a pas longtemps. Il a l'air. Enfin, moi, il m'a hypé un petit peu. Comme Watch Dogs Legion. J'ai vu du gameplay et franchement, il a l'air pas dégueu. Pas fou Far Cry, il faut stopper la licence. Non mais là t'as pas vu là peut-être le nouveau trailer, mais cet épisode a l'air pas mal. C'est quoi ton compte Insta? Alors c'est un compte Insta, mais c'est un compte Insta privé. J'ai pas de compte Insta Xenet pour la chaîne. Et je sais pas si j'en ferai. Par contre j'ai un compte Twitter, je l'ai pas, enfin il est créé, mais par contre je suis pas encore actif dessus, mais ça ne saurait tarder. Je vous invite à aller vous abonner si jamais vous avez envie. Le lien est dans ma bio sur Twitch. Toujours pareil et c'est même de pire en pire. Non, là le nouveau a l'air vraiment cool. Hein. L'histoire a l'air vraiment pas mal. On verra après le gameplay, mais l'histoire a l'air cool. Tu vas arrêter de jouer sur ce serve. Oui, parce qu'il est pas assez stable à mon goût, malheureusement. Dire que tout à l'heure je suis mort dans la lave, c'est un petit peu chiant quoi. Si j'ai toujours des problèmes comme ça sur votre serveur, bof quoi. Et puis en plus, comme Fincano et Zarfou s'en vont, bah je vais plus avoir beaucoup d'amis sur le serveur quoi. Même si t'es là, ça c'est tout, que tu m'as fait plein de dons, etc. Mais je veux dire, j'avais l'habitude de jouer avec Fincano quoi. Donc ça va faire un petit vide. Donc je vais soit aller sur mon serveur à moi, soit partir sur le serveur de Zarfou. Voilà, ça donc j'espère que t'es pas trop déçu. Vive Ubisoft et détruisez les autres studios. Mais du coup, on dirait un peu Lure. Le chanteur de Toon. C'est possible, hein. C'est peut-être un autre compte de Lure. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs. Je l'ai vu, mais bon, c'est un peu toujours pareil. Si tu. Ils t'ont enlevé la chasse. Quoi? Je mets le chat devant moi parce que sinon c'est trop dur à lire. Je l'ai vu, mais bon, c'est un peu toujours pareil. Ils ont enlevé la chasse pour améliorer les stuff, donc c'est pas ouf. Ok, par contre, c'est l'acteur de Breaking Bad, le méchant, et ça, c'est cool. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, il me disait un truc. Maintenant que tu le dis, c'est ça. Ok, bien vu. Putain, je suis vraiment trop con. Je l'ai vu, j'étais en mode, putain, mais je le connais, ce mec. J'avais pas fait le lien. R6, vraiment nul, par contre. Mais pourquoi tu n'aimes pas Rainbow Six? En vrai, ce jeu, ça va, faut arrêter. C'est bon, ce jeu. Zenet, viens récup le stuff de ma base. Pourquoi? J'ai pas envie. Regarde ton stuff. Regarde ton stuff. What the fuck?
Ouais, je pense que Lure est. Je pense que le compte chanteur de Toon, c'est un autre compte de Lure. Clairement, c'est sûr et certain, parce que là, il entend plus ce que je dis dans le live, donc. C'est est-ce que t'as des feuilles? Des blocs de feuilles? Ouais. Donc, s'il te plaît, mets un timeout sur chanteur de Toon. C'est clairement Lure. Il me faudrait des lanternes, je vais aller chercher ça. Je voulais juste être sûr. Ah, c'est pour ça que t'as critiqué R6. Incroyable. Trop malin ce modo. Non, non, je veux pas Lure. Là, tu m'énerves en plus parce que je découvre que t'as un autre double. Enfin, t'as un triple comp. Non, un quadruple comp sur cette chaîne. Donc, c'est vraiment. Là, tu commences vraiment à m'énerver. Ah, mais il est plus là. De toute façon, il pourra pas m'entendre. Tant pis. Mais ne faites pas comme lui. Ne faites pas comme lui, s'il vous plaît. Ne faites pas de triple comp ou de double comp, etc. C'est vraiment pénible. Pour moi. Ok. Il nous reste 30. Minutes, 30 minutes de live ensemble. Mais comment on veut brûler sa bosse, mais elle est en pierre. Non, c'est juste pour apitoyer le chat. Bonne journée. Bonne nuit, Mathilde. Enfin, bonne journée, du coup, parce que t'es québécoise ou française, je sais plus. Ok, on va continuer la tour. Je m'éparpille, c'est terrible. Je dors pas à 17h MDR. Allez, d'accord. Donc tu es bien québécois, j'avais oublié. Et bah du coup, bah à demain Mathilde. Quand c'est une fille, c'est pas québécois, c'est québécoise. Je dis quoi? Je dis québécois? Oui. Ah, merde. Oups. Québécois, c'est pour les garçons. Non mais là, c'est juste, je me suis trompé. Ok, on va fermer, je pense que niveau hauteur, on est pas mal hein, pour l'entrée. On va fermer à partir de ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on va mettre pour le plafond? Je pense que le plafond, on va le faire avec des dalles. On va faire des dalles de sapin. On va aller en chercher. On va aller en chercher. T'as pas des dalles de toi? Des dalles de quoi? De sapin. Non, mais je pense que j'ai du sapin. J'irai voir. Bah, en fait, ouais. mais je vais aller voir tout de suite. Sinon, je vais devoir aller en couper. Je sais que j'en avais farmé à Manny, ça veut dire. Je pense que j'en ai. Ok. J'avais farmé les gros arbres en bois de sapin. Oh, ben j'ai un stack de bois de sapin. De tronc de sapin plutôt. Ah, bah nice. On va en avoir assez, je pense, pour le toit. Du coup, on va fermer ça comme ça. On va remettre une couche pour le sol. Une couche en andésite comme ça. Et on commencera le nouvel étage. Je vois qu'on est à 11 viewers, je pense qu'on va redescendre, mais là on a atteint notre pic. Donc c'est un très très bon live ce soir, merci à tous. Merci d'être présents. Ça fait vraiment plaisir. Oulala, en fait on va peut-être pas avoir assez. Enfin, les bûches qui vont rapporter, ça va peut-être pas être assez au final. On va voir. Aïe, me tape pas, je vais mourir sinon. Merci. Ok. On va voir ce que ça donne. Si jamais vous voulez passer en vocal aussi, c'est possible. Hein. Vous êtes dans le salon, attendre sur Discord et après nous on vous récupère. Et puis on pourra vocal ensemble. Tu peux me donner des cisailles, mais si tu en as. Sinon, je vais aller en chercher aussi. Ah, ok. Merci. Faut pas excuser, hein. Tiens, attends, j'ai de l'herbe si tu veux. Je vais la planter. Alors. Waouh. C'est cadeau. Ah, mais merde, c'est un petit peu con là. Ah, puis j'ai pas de. On va décaler l'échafaudage. Je commence à détruire les croix, je vais te donner le bois que je récup. Ok, si tu veux, Lure. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une montagne, hein? Ça a l'air.
Oh non. Ça va? Tu en penses quoi? De quoi? De ça. Ah, j'aurais bien un petit peu d'eau, moi. Tu vois, c'est un peu monotone. Ah, ou alors des fleurs. Enfin, là, c'est trop vert. Mais c'est ça, j'allais chercher tes fleurs après. Okay, pour okay. En mettre un peu. C'est juste, je regarde comment je pourrais mettre les feuilles. Je serais d'avis de le ban def ce soir. Je sais pas ce que t'en penses. Ou tu veux lui laisser une chance? Non, on lui laisse une chance. Il est pas tout le temps comme ça, tous les soirs, Lure. Je sais qu'il t'a insulté et que c'est chiant, mais bon. Partons à la conquête de fleurs. Oh, et restez sur le live. À la fin du live, on va les raid quelqu'un. On va les raid un petit viewer. Ça va être super. Ça va être super drôle, je pense. Premier raid de la chaîne. Mais comment il peut entendre ce que je dis? Ça m'énerve. Il a encore un compte triple là? C'est pas possible. Il veut me ban def, qu'il me banne, je reviendrai jamais. Bah écoute, ça va rien me changer en fait. Tu crois pouvoir me menacer, mais c'est pas une menace. Hein. J'ai juste plus le droit de parler. Ah, c'est ça, time out. Ah, je suis trop con. Ok, d'accord. Je savais pas. Ouais, bah du coup, je switch, hein, c'est bon. C'est pour ça, c'est juste que ça continue sur Discord. Ah bon? Qu'est-ce qu'il raconte sur Discord? Attendez, je regarde vite fait. Non, c'est bon, c'est juste des petites provocations. Ça, c'est faux bail, tu vois, c'est juste... Bon, bref. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se casser autant la tête sur un enfant, là, de 12 ans? Ce serait dommage quand même de te ban avant la fin du live, qui est dans quelques minutes maintenant. Ok, ça va être hyper long à faire tout le tour. Hein. On est déjà marre. J'ai pas de mètre de fleurs, de 2 mètres de blocs, mais j'ai des petites fleurs. Ok. Et moi au pire j'avais des fleurs chez moi. Hein. Non mais je parle mais des fleurs mais de deux d'auteurs. Je les ai où les diamants? Je les ai volés sans me rendre compte. C'est très drôle mais. Mais tu parles des 9 diamants? Ouais. Ah bah c'est moi. Et pourquoi tu m'as donné ça? Bah je sais pas, mais je voulais aller acheter mes de base, mes des livres. Il n'en avait plus, j'avais la flemme de retourner à ma base, bah je te les ai donnés. Ok. Ah merci. À 23h50, on va choisir la cible pour le raid, et puis on se quittera ici les gens. Ça serait quand même plus stylé avec mes des fleurs, mes de d'auteur. Mais j'en ai pas trouvé. Voilà. Ah mais va chez moi au pire. Hein. Moi j'ai toutes les fleurs. Hein. Ah pour vrai? Bah ouais. Hein. Ok, attends, j'y vais. Du coup, sur le Discord, on parle dans le chat général. Ah ouais, mais les gars, après, c'est chiant, genre... Moi, je peux pas avoir au message, là, par contre, hein. Oh, mais je me suis mangé ton bambou. Ah merde, ah oui, le bambou. Il y a du bambou là-bas qui l'a bloqué. Ça fait mal. Oh mon dieu, mais il y a des fleurs partout. Bon,
J'aurais au moins finir le toit quoi avant de couper le live. Bah Tristouille. Bah mais Tristouille il est pas en live. Puis je le connais pas. Je vais choisir ma cible moi-même. Sinon pour les fleurs, de 2, de haut. Je cherche tes fleurs mais je les vois pas. T'as juste à mettre de la bonne mine sur une petite. Sur une petite. Vous dites quoi? Et on parle où sur le nouveau Discord? Bah dans le salon général. Vous parlez sur le salon général, c'est écrit hein, c'est pour c'est fait pour. Ah ok. Ah si tu mets de la bonne mine sur une petite fleur, ça va faire une grande fleur apparemment. T'es sûr? Moi, j'allais prendre mais une double fleur mais chez moi et la dupliquer avec la bonne mine là mais. Info de chat donc je sais pas. J'ai jamais essayé pour vrai. Je vais essayer. Mais de quoi qu'il parle, on va pas te ban. Bah Enzo, tu acceptes les règles, tu vas les voir. Je sais pas, ça me dit que j'ai pas les droits. Bon bah je vais dupliquer la fleur moi. Ça marche pas avec toutes les fleurs mais oui. Ah ça marche pas avec toutes les fleurs mais avec les poppies ouais. Ah bah c'est correct mais je duplique cette fleur. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est quoi cette histoire de ban là dans de Sados? Pourquoi il y a plein de bois par terre? C'est l'heure qu'il a donné. On va te ban. Ah ok, il vient de te dire en fait. Et si c'est le gars que je t'ai parlé sur. Ah oui, je sais, je connais, enfin je sais, je vois de qui tu parles, mais il est pas en live. Et j'ai envie de choisir un mec qui a vraiment pas beaucoup de viewers là, qui commence genre à peut-être à liver ce soir. Ça pourrait être très drôle. Le mec il commence juste à faire ses lives et puis là il y a déjà 8 viewers. Bon, même si vous avez pas resté et tout, mais peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui vont rester. Ça pourrait être bien. Et puis comme je disais hier, c'est du win-win. C'est-à-dire que moi si je fais ça, peut-être que d'autres gens le feront plus tard. Pour moi aussi. Bienvenue Marianne! Comment vas-tu? Alors moi je fais mon petit speech de présentation que je fais à chaque fois dès qu'il y a un nouveau viewer. Moi je m'appelle Xenet, j'ai 19 ans. Je suis en live tous les soirs à partir de 21h sur différents jeux comme du Trackmania, du Minecraft, du Neon Abyss et du Valorant. Voilà, donc bienvenue à toi. On peut pas envoyer la vidéo sur Discord. Ouais, Discord limite la taille des vidéos et on peut pas envoyer des trop grosses vidéos. C'est normal, hein, sinon ce serait l'enfer. Du coup, t'en sors avec tes fleurs, Fincano? J'ai été chez toi et dupliqué tes doubles fleurs. Ok. Vu que j'avais pas aux autres. J'avais juste la double fleur rouge. Ok, ok. Bah ça va Marianne. Bon t'arrives un peu à. T'arrives 10 minutes avant la fin du live malheureusement. Donc je t'invite à repasser demain. Hier on a fait un live jusqu'à 5h du matin, donc c'était très tard et j'étais crevé. Donc là je suis encore très fatigué, donc c'est vrai que je vais te couper assez tôt. Mais généralement les lives durent jusqu'à 3h du matin quand on est dans des horaires normaux. Voilà. Et là je suis en train de construire mon futur shop, ça va être une tour. Future shop que tu vas peut-être pas utiliser très longtemps. Ouais, parce qu'on va peut-être changer de serveur bientôt aussi. Voilà, beaucoup de lore, beaucoup de choses à savoir sur ce live avant d'arriver. Si jamais t'as d'autres questions, n'hésite pas. Appelle-moi Andro. Ok. Je sais pas si je vais m'en souvenir, hein, pour être honnête, Marianne, mais je vais essayer. Et bien, du coup, bienvenue Andro. Ok, on a fini le toit. Fouf. Ah non, pas là. Voilà.
Voilà, tout le monde te souhaite la bienvenue. C'est beau ça. Quel beau chat. On va quand même torcher au-dessus. Hein. Pas de mob ici, moi. Qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Ah, il a des. Eh, c'est suicidé en élytre? Je sais pas ce qu'il a fait. Oh, ok, mais je pensais, mais tu parlais de moi. J'étais comme quoi? Ah, non, non, mais non. On respecte les collaborateurs ici, quand même. Oh mince, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, malheureusement, je suis désolé. Je préfère couper le live plus tôt aujourd'hui parce que sinon, ça, la qualité va dégrader beaucoup trop vite et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de vous faire des beaux lives, quoi. Mais ouais, mais c'est une personne qui m'a conseillé. Ah, qui t'a conseillé ce live? Qui ça? Ça m'intéresse. Bah, du coup, n'hésite pas à follow si jamais le live t'intéresse. Et si tu m'apprécies, une personne qui a du goût alors. Oh, t'es pas objectif, hein. T'es en modo avant tout. Ok, c'est pas mal, c'est beau. Ah, j'avais pas pensé, mais ouais, comment je vais en haut du coup? Bah, tu mets tes échafaudages et tu fais un trou. Ah, c'est Mathilde qui t'a conseillé le live. Ah, ok. Ah là là, Mathilde. Merci à elle. On lui dira merci demain, tous ensemble. J'ai envoyé mes photos de ma base sur Discord. En effet, elle a bon goût. Ah, du coup, merci pour le follow, Marianne. Ce que je t'invite à faire, bah du coup, c'est... malheureusement, comme le live va se couper très tôt aujourd'hui, bah repasse demain, et puis vois si le live te plaît, si je suis quelqu'un que tu trouves intéressant, etc. Et dans ce cas-là, reste follow. Sinon, bah, tu peux défollow. Hein. Voilà, on va juste voir les photos de la base d'Enzo. On va les commenter un petit peu. Puis, on va choisir une cible pour le raid de fin de live. Comme ça, un petit streamer sera content. Et on va se laisser là pour aujourd'hui. Alors, c'est parti du coup. Voyons... Ah merde, on va pas faire ça ici. On va faire ça ici. Alors, voyons voir les photos. Sont où les photos? Je vois pas tes photos, Enzo. Ah oui, c'est vrai, tu peux rejoindre le serveur Discord si t'as envie, Marianne. Tu scrolls en dessous le lecteur Twitch et t'as une petite bannière. Une petite bannière où il y a écrit Discord dessus, tu cliques dessus et tu peux être invité sur le serveur Twitch. Ah, mais j'ai pas mis à jour le lien. Shame. Bon, au pire, je vais envoyer un lien. Ce sera plus simple. Voilà, si jamais t'as envie, hein, te force pas. Ça s'envoie, ok. J'espère que ça va s'envoyer en temps et en heure, le temps avant qu'on coupe le live. C'est une de mes bonnes potes, quoi. Appelle-moi Andro. Ah oui, désolé, et je vais vraiment oublier. Hein. Faudrait que tu te renames sur Discord ou sur Twitch. Ou faudrait que tu passes souvent pour que j'intègre cette information. Je suis désolé parce qu'avec les prénoms, j'ai vraiment du mal. C'est Andro Xenet. Ouais, je sais. J'ai pas Discord, un petit peu la flemme de l'installer. Ah bah ok, pas de problème. Du coup, on va trouver un petit streamer. À moins que la photo soit envoyée. Toujours pas. C'est pas un problème. Alors. On va prendre un streamer Minecraft, je pense. Alors, je vais juste vous remettre l'écran, voilà. Petit streamer Minecraft français ou québécois. Alors. On en a pas mal, hein. On commence une nouvelle game solo sur le serveur de Pépin. On a un petit Top Gun là. Ok, alors attendez juste, voir un petit truc aussi. Comme ça, voilà. Alors, vous n'avez pas à avoir besoin de changer de live. Hein. On va hoster directement sur mon live à moi. Comme ça, vous n'avez pas à bouger. Alors, on fait qui? Qui est-ce qui vous tente, vous? Let's go reprendre les quêtes. Rediffusion des 24 heures de stream. Ok, ça on s'en fout du coup. Petite soirée de mini-jeu avec des potos. Il y en a beaucoup qui ont un viewer. Hein. C'est triste, j'ai beaucoup de chance d'avoir autant de viewers sur mon live. Merci à tous. On va tester, on va aller voir lui. Un Top Gun, ça peut être sympa pour vous. Ouais, il reste pour le marqueur, mais
Ok, on va faire lui, je pense. Ça peut être très bien. Alors, comment on fait déjà? Ouais, c'est ça, lancer un raid. Et là, du coup, il s'appelle comment? Pampin. Bon, je vais avec vous, hein. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. On va voir ce que ça donne. Je trouve que ça va être un échec complet. Ok, lancer le raid. Et là, ça fait quoi du coup? Qu'est-ce que ça fait? Bah go, lancer le raid. Qu'est-ce qui se passe? Il faut appuyer sur un petit bouton qui est quelque part en haut pour aller au raid, je pense. Ok. Oh merde. Ça fait de boum. Merci pour le raid avec 8 viewers. Salut les gars. Voilà, mettez-le bien pour la soirée, petit Top Gun. Voilà. Alors, je sais pas si je suis toujours en live. Si je suis toujours en live, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Mettez-le bien, followez et tout. Et moi, je vous dis demain. Je vous dis bonjour. Enfin, je vous dis demain à 21h, comme tous les soirs. Allez, c'était Xenet. Merci à tous.